Demande. Ouais, on va aller rouler là. On va aller rouler là. Ce soir, 2 GP. Ce soir, c'est Canada et Silverstone. J'ai failli oublier. Mais ah oui, la FIA versus la F1. Non, mais ils ont craqué là. Ouais, j'avoue. Non, mais entre Ben Sulayem et la F1, c'est. Il se passe quoi? C'est une guerre de clans là? Ça met des giga-attaques dans les interviews, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui leur arrive? Le Ben Sulayem qui dit que la F1, la F1 appartient à la FIA et que la F1 est juste louée pour l'instant. Frère, non, enfin, calme-toi, genre, quel est l'intérêt de créer cette guerre? De toute façon, ça se voit, hein. De toute façon, ça se voit là depuis quelques mois. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, parce que déjà avec Andretti, il y a des tensions. La F1 veut des nouvelles équipes, la FIA non. Non, c'est l'inverse, pardon. La FIA veut des nouvelles équipes, la F1 non. Là, il y a ces histoires de rachat et tout qui foutent la merde. Ouais, à un moment, faut doser, faut se calmer, tu vois. En vrai, flemme que la F1 soit rachetée par les Saoudiens. Ah non, mais je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif que la F1 soit rachetée. Mais par contre, il y a les formes, comme on dit. Faut savoir tourner les discussions correctement. Parce que là, c'est plus Nos des petits marges sont bonnes en ce tacles. moment. Des petits Je tacles propose indirects qu'on au fur et fasse à des mesure. investissements. C'est pas ouf. C'est pas ouf, on peut le dire. Après, est-ce qu'il a raison? Ça, c'est encore autre chose. Tu le sens comment, Vasseur? Moi, j'ai confiance. J'ai confiance en Fredo, moi. J'ai full confiance. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Ça avait donné quoi les derniers GP ici? Oh là 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 là, qu'on est loin. Ah, j'avais gagné! J'avais gagné à Bakou, c'est vrai, oui! Et oui, j'avais gagné à Bakou devant Perez. Pourchaire avait abandonné en plus. Oh, le banger, let's go. 87 points. Je suis encore à 60 points de Pourchaire. Hein. Je suis encore à 60 points de Théo. Il me faut une victoire là. Il me faut une victoire ce soir, absolument. Sinon, je suis baisé. Je suis baisé, sinon. Est-ce que t'as confiance en la monoplace de Ferrari? En vrai, ouais, je pense que ça ira. Hein. Je pense, franchement, ça ira, no joke. Hein. 5-3 Latifi en qualif, on rappelle. Jure, t'as compté. Mais t'es une merde, Victor. On peut le dire. Non, soyons honnêtes, on peut le dire là, franchement. T'as gagné en trichant. Comment ça? T'avais pris 5 flashbacks. Alors, j'ai payé pour avoir ces flashbacks, d'accord? J'ai offert des subs, hein. J'ai payé pour les avoir, ces flashbacks qui sont pas tombés du ciel, hein. Nuance. Nuance, nuance. Ouais, Porcher a quasiment 3 courses d'avance sur moi. En même temps, là, la P20, la P21, elle a pas fait du bien, quoi. Les deux abandons ont pas fait. Pas fait du bien, pas de manipulation ce soir. Non, non, ouais, pas de manipulation ce soir, c'est promis, vous inquiétez pas. Don't worry. Ok, bah let's go, hein. On va aller s'entraîner, hein. On va aller s'entraîner au Canada. Tintintin. Pas vu les subs? Oh, si, si, si. Ceux qui étaient là, ils l'ont vu, hein. Ceux qui étaient là, ils le savent, ce soir c'est P3 et P1. Werbri a dit, Werbri, s'il est encore sur le chat, il a dit c'est 10 subs par victoire. Donc si je fais 2 wins, c'est 20 subs ce soir. Donc go target des wins. Hein. On va target des wins en balle ici. Hein. Déjà attendez, on va se chauffer un petit peu. Regardez bien. Hein. Regardez bien la masterclass. Je suis trop fort. Regardez bien. Hein. Je touche aucun cône. Trop fort. Je suis trop fort avec les GT. On devrait faire un concours. Genre un time trial, celui qui fait les challenges les plus vite. Vous voyez cette trajectoire parfaite là? Non! Oh putain, oh putain, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Eh, hey, vous avez rien vu les gars. Tout de ben. Tout de ben. Le karma instantané. Oh le karma instantané, le flop. Oh là 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 là, mais je pense que je peux quand même avoir l'or. Le permis ou... Non! Oh là, c'est mort. Non, vas-y, c'est trop! Attendez, attendez, attendez. Oh là, c'est une question de tryhard. Là, c'est une question de tryhard, attendez.
Mets-toi en vue intérieure, tu vois. Oh, c'est vrai qu'elle est stylée cette voiture. Allez là. Ah mais ça me stresse, je vois pas la droite de la voiture. Ça me stresse, je vois pas la droite de la voiture. Attends. Ok. Ah c'est bon, là on est gold. Là on est gold les gars. Bon allez, on va passer à la course. On va passer à la course, c'est pas grave. Yo, yo, il y a ce qui arrive. On oublie. C'est pas grave. Non, mais en fait, les gars, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès parce qu'en fait, il y a un challenge où il faut avoir les trucs en gold. Et j'y garde pour le live 12h. J'y garde pour le live 12h. J'y garde pour le live de samedi, comme ça, ça fera plus de content. Non, mais si, les gars, vous pensez vraiment que je suis pas capable de faire ça? Vous êtes fous ou quoi? Merci, perdu pour le deuxième mois. Mais ouais, non, je suis trop fort. Hein. Je suis trop fort, Loan, t'as pas idée. Attendez, par contre, je vais bien mettre les pneus tendres. Voilà, let's go. Non, mais bien sûr. Vous savez que j'ai regardé, du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu les défis qu'on va devoir faire, là, samedi. Samedi, pendant le live 12h, il y a des défis. C'est giga dur, hein. Il y a des trucs, genre, faut faire en ligue, en multi, faire des podiums et tout, wesh. C'est galère. Galère de fou en vrai. C'est quoi ce maillot affreux? Ouais, t'inquiète. T'inquiète mon ref. T'inquiète. T'as un setup particulier. C'est-à-dire... Oh non, il pleut en qualif. Oh. Comme ça, j'ai des setups particuliers pour les GP, oui. Normalement, oui. Je pense que tu vas tous les réussir. Franchement, je pense pas. Je pense que... Bah, de toute façon, en fait, je sais pas comment ça fonctionne les ligues. Je crois qu'il y a un truc genre gagner une course de ligue. Comment je fais? Comment je gagne une course de ligue? S'il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de ligue, tu vois. Je suis bloqué, en fait. Si tu veux de l'aide, surtout, ne m'appelle pas. Je n'aimerais pas t'aider. Haha, Lulu. Merci. Merci, Lulu. Aïe. Je t'aiderai pour les défis. Non, mais ça va aller, Choto. Ça va aller, t'inquiète. T'inquiète. Juste, il faut que je check, tu vois. Oh, Myanmar! Merci beaucoup pour le 26e mois. Ça va ou quoi? T'en crées une et tu fais qu'on te débotte. Bah, faut que je regarde. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais en vrai, ça va être cool. Mais je pense qu'on fera d'autres choses. Enfin, en 12 heures, on aura fait tous les défis, tu vois. On fera des open lobby, je sais pas, on verra. Mais en 12 heures, on a le temps de faire tellement de choses. En vrai. Yo, hello, what's up, arrive. On peut créer une ligue et rouler contre des IA. Ok. Bon, alors, on va faire ça, hein, je vous le dis. Hein. Très clairement. Hein. Ça fait quoi de porter une étoile? Oh, et votre étoile, ça va. Là, les Stéphanois qui flex, profitez. Ça va, profiter, vous avez eu votre semaine de la honte là. J'ai porté votre maillot de merde. Qu'est-ce que j'ai hâte d'être à demain. De plus avoir le porté là, sérieusement. Pas de setup. Merde, j'ai oublié de mettre le setup, bien vu. Je vais le mettre juste après, bien vu. Oh, ça se ressent du coup. Oh, ça se ressent du coup. Ouais, on va aller mettre un setup vite fait. On va aller mettre un tout petit setup tranquille. Hop, Anas. On est où là, Anas? T'es cru chez ta mère, on est où là? Oh, on se calme, Anas. Oh, calme. On commence, quand on arrive dans le chat, c'est bonsoir. Ça va le chat? Ça va les gars? Vous avez passé une bonne journée? Tu vois, on essaye d'être poli. Toi, t'arrives, tu cries comme ça, t'insultes ta prof principale, blablabla. Eh, pas d'insultes, pas de mage. On se calme tout de suite. Voilà, regarde les gens, ils arrivent, ils font bonsoir. Bonsoir, The Flow. Oh là, les BG. Voilà, Anas, prends exemple.
prends exemple, chef. Il arrive, il est là, il crie. Vous imaginez, en vrai, vous rentrez dans une salle. Non, mais parlons-en, le chat. Parlons-en. Imaginez, vous rentrez dans une salle, vous allez voir des potes ou quoi, une soirée, tu vois. Tu rentres et t'es là, tu cries. Tu gueules ta race. Mais non. Soyez normaux. Sois normal, mec. J'ai refait exactement la même erreur. J'ai refait exactement... Oh, les POV, les Inès au fond du bus. Oh, qui prenait le bus? Allez. Qui prenait le bus pour aller à l'école? Parlons-en. Bon, moi, j'ai eu de la chance que... À Lyon, toutes mes écoles étaient pas trop loin de chez moi, tu vois. Du coup, je prenais très rarement le bus. Mais quel enfer. Prendre le bus, c'est fou. Faut en prendre le bus, mais y a rien de pire dans la vie, en fait. C'est horrible. Oh. On peut le dire, hein. Non, mais prendre le bus, c'est top 3 des moments les plus stressants d'une vie, hein. C'est terrible. Ah, les gens au fond du bus qui crient, là. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça me donne, hein. Vous vous mettez où dans le bus? Ça, pour le coup, c'est un vrai débat. Hein. Quand vous arrivez dans le bus, c'est que genre, il y a de la place, tu vois. Tu peux choisir où tu te mets. Où est-ce que ça se met dans le bus? Moi, je me mets toujours tout devant. Eh non, je me mets pas au fond, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Au fond, il y a tous les lycéens, tout ça, tout ça. C'est bon, il y a les Pokémon Go, blablabla, Michou et tout. Eh, vas-y, moi, je me mets devant, pas trop loin du chauffeur. Je mets mon casque, me parlez pas. J'ai été le gamin qui allait au fond du bus, hein, quand j'étais plus jeune, au collège. J'étais le gamin qui criait au fond sur la banquette, tu vois. Mais, ouais, je suis lycéen, bah voilà, voilà. On est passé, vous verrez dans genre 5 ans, 3-4 ans. 3-4 ans, je vous jure, vous irez plus au fond. Dans 3-4 ans, vous allez comprendre que bah le fond du bus, c'est l'enfer, en fait. Merci. Alors, il y a bus et bus, hein. Merci, Iconique, pour le 5ème mois, ça va, toi? Yo, hello à tous ceux qui arrivent. Il y a bus et bus, honnêtement. Oh, j'ai raté la corde. Totalement raté la corde. Parce que les bus à Vénissieux, croyez-moi que c'est pas les bus que vous pouvez avoir... que vous pouvez avoir je ne sais où. Hein. Des fois, il y a de l'action. Hein. Des fois, le Royal Rumble au fond du bus. Oh, c'est quelque chose. Hein. Oh, il y avait des giga prises de catch. Mon Dieu. Mon Dieu. À Bordeaux, c'est le zoo. À Bordeaux, ouais, c'est un peu le bordel. Il y a des gens qui aiment aller dans le fond. Oh, bah, en vrai, dans le fond, c'est une vibe, hein. Au fond du bus, il y a une petite vibe, hein. Petite vibe zoo, mais le C12. Oh frère, oh le C12. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les bus à Lyon, les TCL, mon Dieu. C'était quelque chose, hein. MP Discord. Attends, je check à la fin du tour, Lulu. J'essaie juste d'avoir l'objectif en violet quand même. Pas passer pour un clown. Je suis déjà avec le maillot, tu me diras. Hop là, let's go. Let's go. C'est Latifi le coéquipier, bien sûr. Bien sûr que c'est Latifi mon coéquipier. Fallait un pilote d'expérience chez BMW. Pour regarder le DM de Lucas. Ça arrive. Bon, Lulu bizarre. Bizarre le DM. Enfin bref. Enfin bref. Non, vraiment. Hein. T'as rien vu. Non, t'inquiète, j'ai rien vu. Pourquoi je suis pas dans le violet? Ça me saoule. Comment je réussis pas le programme des gates? C'est le truc le plus simple. Vraiment, c'est le truc le plus simple du jeu. On sait pas. C'est... Attends, on sait pas que c'est pas toi le. Oh là, Spencer. C'est une sœur compliquée la phrase, ou alors c'est moi qui suis fatigué, mais... Mais du coup, j'ai pas réussi, 445, 440. Ah si, c'est bon. Ah si, j'ai quand même eu 450 tout à l'heure, ok. Ok, vamos. Vamos, vamos, c'est toi qui sais pas lire. Attends, mais Spencer, il a écrit quoi? On sait que c'est pas toi le pilote d'expérience. C'est moi qui sais pas lire, ok. C'est juste moi qui sais pas lire. Eh, on peut pas tout faire, les gars. On peut pas en plus rouler, en plus lire, tout ça, tout ça. On se calme, tu vois. Normalement, Nicolas, ouais, ça se prend sur les sites de circuit. Après, il y a des fois le F1 Ticket, le site de la F1. Mais ouais, en général, c'est ces deux sites les plus recommandés. Après, des fois, il y a des revendeurs et tout, mais ça, je pourrais pas te dire exactement. Je pourrais pas te dire. On est à 553 spins sur F1 22. Et en vrai, les 1000 spins, moi, je pense qu'on va les attendre. Hein. Moi, je pense que les 1000 spins, on va les attendre, les potes. Hein.
T'es pas supporter de Lyon à la base. T'inquiète. Pose pas de questions, y aura pas de problème. Je pense que c'est vraiment le pire sub goal que je pouvais faire là actuellement. Porter ce maillot là, cette merde. Oh le cut, vous avez rien vu. Oh, vous avez rien vu du tout. Oh le cut, il est catastrophique. Il est catastrophique le cut que je viens de faire. Je suis passé dans l'herbe carrément. La voiture sans permis, c'est un délire aussi. Oh putain, c'est vrai que le jour où on va se mettre là-dessus. Le jour où on va se mettre sur ce défi. Ça va être très très drôle. Hein. Hop là. Calme tout de suite. L'odeur du maillot. Non mais en vrai ça va les gars. Ça va parce que je vous ai dit, je mets toujours un t-shirt en dessous. Je mets toujours un truc ou quoi pour pas que j'ai la transpi ou quoi, tu vois. Le maillot il est clean. Le maillot il est bien, tu vois. Fais-le cet été. Eh frérot, ça s'organise. C'est pas je prends une voiture sans permis et je me taille à Paris. Hein. Ça s'organise et tout, tu vois. Il va bien Daniel. Daniel il va bien, tranquillou. Là récemment j'ai envie de choper des collègues à Daniel. J'ai envie de upgrade mon aquarium. J'ai envie d'upgrade l'aquarium, mais du coup je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi mettre, il faut que je trouve des trucs. J'ai peut-être des idées là, ça commence tu vois. J'ajoute 5 subs si tu fais le meilleur tour. Oh là, oh là, attends, déjà si je joue la win ce sera bien. Mais c'est noté hein, c'est noté Werbry en vrai. Mais Anas, on se détend du coup, bonsoir Anas. Un dégoût de ma prof, ah ça arrive hein. Ça arrive, hein. Y a des profs, des fois, malheureusement, c'est des connards. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein. Fais un tour de France des modos. J'ai 45% des modos qui habitent en Bretagne, déjà. Genre, j'ai... Attendez, vous venez d'où, les modos, là? Chacal, il vient de l'Est, du coup. Lulu, il est de Nantes. On a trois Bretons. Natigno, t'es d'où? Attendez. Orléans, ok. Oh, Orléans, mais comme Jordan. Bretagne, Clermont. Ah, oh, Clermont, c'était pas loin, ça va. Clermont, c'est pas loin, du coup. Ok, ok. Merci pour les subs, merci Amstack. Voilà, oh, attends. Merci pour les deux resubs. Oh, je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne, ce virage, j'ai pas réussi à le prendre. Merci à Amstackam pour les 1 an. Et merci Jinstou. Attendez, attendez, attendez. Chacal, il a répondu. J'ai rêvé ou il a dit Clermont? Attendez, pause. Chacalinho, mais Chacalinho, t'es pas à Clermont. Chacal. Mais oui, j'avoue, j'ai dit les modos. Mais Chacal, t'es pas à Clermont, toi. Tu racontes. Ah, mais il répondait pour Natigno. Ok. Oh, il y a eu un triple mais des modos. Oh, il y a eu un triple mais des modos. Ça va, on se calme. Oh, tombe pas à la voiture, ouais, c'est un enfer. On se détend, là. Ça me juge en balle. Merci, Bilal, pour la sub. Ça me juge fort comme ça, là, y'a pas à juger. Je suis de Zurich. Oh non, mais Zurich, à un moment. Si un jour je veux faire le tour des viewers ou quoi. Frère, y'en a, ils viennent de je sais pas d'où à un moment, c'est bon. On va juste rester sur les modos. Les modos, je fais Nantes, Bretagne, Clermont. Je repasse un peu vers les trucs de ski avec Chacal et c'est bon, tu vois. On a fait le tour. T'as changé tes réglages du coup? Ouais, j'ai mis un setup. J'ai mis un setup. Viens à Evian. Ok, la bouteille. Napti. Oh là là. Imaginez, je dois aller voir Napti en Thaïlande. En Thaïlande, il est Napti. Compliqué, là. Compliqué, les practices, là, dis donc. Truc de ski. Ouais, ouais, non, mais tu m'as compris. Je sais pas, c'est quoi le nom de ton bled, mais imagine, t'as 13% de moyenne, tous les profs sont favorables. Finalement, la vieille prof qui dit non. Bah, la vieille prof l'emporte. Et pourquoi elle a dit non? C'est ça la question, Anas. Pourquoi elle t'a dit non? Viens à Toulouse, wesh. Bah, vite. Ça va de me dire, viens ici, invité, allez. Faut assumer un moment. Anas, moi je pense que si t'as pas eu les félicitations, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je pense que tu le sais, mais que tu refuses de l'accepter. Les profs ont toujours raison de toute façon, donc hop là. C'était une fan de Max, la prof. Ah, t'imagines? Aïe, aïe, aïe. Elle a reconnu Anas, elle a fait, mais c'est toi dans le chat. C'est toi qui crie tout le temps, là. Viens au Québec. Bah, j'aimerais bien, hein. C'est pas l'envie qui manque d'aller au Québec, hein. Honnêtement, pas l'envie qui manque.
Mais 13.7, j'avoue, c'est pas les félicitations du tout, en fait. Attendez, qu'est-ce qu'il nous raconte? Félicitations, c'est pas dit... Attends. T'as félicitations, encouragement, et c'est quoi l'autre? C'est à 16, non, les félicitations? Ah, c'est 15! 15 des félicitations! Ok. Ah, 13.7, t'en étais loin, ouais, Shanas. Félicitations, encouragement, ok. Ouais, t'as compliment, voilà, ouais, c'est ça. T'as compliment. Ah là, faudra travailler plus au prochain trimestre, c'est tout, hein. Faudra plus te donner et un petit peu moins d'F1 et let's go, hein. Pas dans mon lycée, t'as quoi dans ton lycée comme truc? La personne qui parle le moins. Attends, j'ai pas eu le temps de lire ton message. Parle le moins, mais quand les autres parlent, elle dit rien. Aïe. Ah, j'ai l'impression de retour être encore en cours, pardon. Quand les profs ils sont là, ils te chopent par le callback alors que tout le monde parle autour de toi, toi t'as rien dit. T'es là en mode, mais vas-y, moi j'ai pas parlé et tout, les autres ils parlent, machin. C'est 13.5 les félicitations, mais archi pas. Alors, enfin, je sais pas dans quel lycée c'était, mais. C'est pas du tout 13.5 les félicitations normalement. C'est 15. Y'en a marre. Bon, écoutez, tant pis. On n'a pas un très bon rythme, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça dépend des lycées. Ok, je savais pas, je pensais que c'était la même chose pour tout le monde. Le setup est pas fou. Non, en vrai, ça va, le setup est sensible, mais c'est clean, tu vois. C'est clean. Il y a pas à chouiner pour des félicitations au lycée, de toute façon, ça sert à rien. Non, je suis pas d'accord, en vrai. T'as une petite satisfaction. T'es là, tu ramènes le bulletin au daron. Les félicitations, c'est un flex, frère. Soyons honnêtes, c'est un petit flex quand même quand t'as les félicitations. Donc, non, je peux comprendre. Je peux comprendre. J'ai 16,87 en pro. Ouais, mais Enzo, t'es en bac pro. Enzo, pas à moi, t'es en bac pro. J'ai juste peur pour mon parcours sup. En vrai, Alas, non. Avec 13, t'es bien quand même. Ça dépend ce que tu veux faire, mais avec 13, t'es quand même bien, t'as des bonnes notes. J'ai toujours eu les félicitations dans ma vie. J'ai jamais eu les félicitations de ma vie. Jamais de ma vie, j'ai eu les félicitations, c'est mort. Impossible. Merci à Nexitac pour le quatrième mois, ça va ou quoi? Ah, c'est... J'ai jamais eu ça, moi. En vrai, les notes, ça sert à rien. C'est pas vrai, enfin... Dans le fond, oui, mais... Ça sert un peu quand même, en vrai. Tous les gens qui disent, ouais, l'école, ça sert à rien, les notes, ça sert à rien, tout ce que t'apprends à l'école, tu vas jamais t'en resservir. C'est pas faux, tu vois, en vrai. C'est pas faux. Mais dans le fond... C'est surtout la discipline que t'es censé développer à l'école. T'es censé développer le fait d'être capable d'avoir des bonnes notes, de travailler, d'assurer un trimestre, des trucs comme ça, tu vois. Et bah félicitations mon ref. Mais t'es censé être capable, tu vois. C'est plus les valeurs, entre guillemets, on va dire, que réellement les notes. C'est ça le plus important, tu vois. Parce que si t'es pas capable de réviser pour des contrôles, si t'es pas capable d'apprendre des trucs, de retenir un peu l'histoire ou quoi... Ça veut dire qu'après, dans la vie, tu seras pas focus, tu seras pas capable de faire des projets, de bosser dans des trucs et tout, tu vois. Merci Team Titi pour le sixième mois, ça va être toi. J'ai été promu business manager après la rue et conducteur. Let's go, vamos. Félicitations. Tu sais que j'y ai pensé aujourd'hui à un moment. Enfin, je me souvenais plus de ton pseudo, mais je me suis dit, attends, du coup, il y avait pas une réunion, il y avait quelqu'un dans le chat qui avait dit qu'il avait une réunion avec son supérieur, normalement. Let's go, GG. Félicitations, pensez à Dwagby, soyez capable. Non, de fou, hein. Principalement BTS, négociation et digitalisation dans la relation client-management. C'est long, Anas, c'est long comme... Ouais, tu veux négocier les trucs, quoi. C'est long comme diplôme, frérot, ton truc, quand même, en vrai, non? Cette journée, j'étais pas ouf. Oh, let's go, come on. Timéo, ceux qui ont passé une journée de merde, on va essayer de se détendre un petit peu, là. On va essayer de rigoler un petit peu, quand même. Non, GG Champagne, hein. GG pour la promotion. Félicitations à toi. Oh, les pneus wet, c'est trop. Comment ça, les pneus wet? Ils sont fous, 5 ans que je connais Pythagore et toujours pas utilisé. Ah non, mais c'est sûr, hein. Ah non, mais il y a des trucs que tu utiliseras jamais, hein. Les théorèmes, les maths, soyons honnêtes, hein. Les maths, jamais tu utiliseras les théorèmes que t'apprends, hein. Pythagore, tout ça, mais jamais. Mais, c'est par principe. Par principe, si t'as des leçons et que t'es capable de t'investir et d'apprendre et derrière de réussir tes évals,
C'est pour montrer que tu sais bosser, tu vois. Ok, bon, c'est sorti en intermédiaire, du coup. Ouah, wow, Ricardo Chias. Oh, ça pique. La philo, ça sert à rien. Ah, typiquement, la philo... Philo, je pense que tu t'en sers pas vraiment dans la vie. À part devenir fou... Mon patron, il veut pas me donner de promotion. Ah, Ben, va falloir continuer à bosser. Va falloir continuer à charbonner, Ben, là. C'est pas suffisant. Merci, Zoéric, pour le resub. Merci, frérot, pour ton 9e mois. Le tableau des proportionnalités. Qui utilise ça dans la vraie vie? Honnêtement. Qui utilise ça? Les maths, ça sert à rien. Ah ouais, alors après, il y a une nuance. Parce que du coup, moi, typiquement, si j'avais bossé dans les LEC, crois-moi que les maths, ça m'aurait servi. Hein. En physique appliquée et tout, les maths, ça m'aurait giga servi. Mais encore une fois, c'est des domaines quand même spécifiques, tu vois. C'est des domaines un peu particuliers. Hein. Je suis mon propre patron. Ah, ok, c'est pour ça que je me disais. J'étais en mode, putain, je savais pas que t'avais un patron, toi. J'étais en mode, pourtant, normalement, dans le domaine où t'es, là, avec le métier que t'as, j'étais en mode, putain. Wow. Vamos. Mais monter streamer. Ouais, exactement. On a fini streamer, donc bon, les maths, après tout. C'est plus mon problème. Par contre, le trafic que je vais avoir, ça va le devenir. Imagine, je me fais éliminer en Q1. Non, je rigole. Imagine quand même. Allez. C'est beaucoup quand même, hein. Beaucoup quand même là. Bizarre l'ambiance. Merci pour ton soir. Oh là 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 là, merci Alano, merci beaucoup pour le resub. Mais attendez, mais. Pétez mon câble. Et intermédiaire, c'est absolument pas les bons pneus. Ok. Go focus, parce que là, on est dans la merde. J'ai un tour. J'ai un tour pour clutch. Wesh. À glisser comme ça, bordel. Non, mais je vais me faire éliminer. Je vais me faire éliminer, hein, j'ai juré. Hein. C'est une blague. Il y a un moment où... Bizarre l'ambiance. Non, en vrai, on retente. Non, attendez, en vrai, on refait une qualif. J'imagine, je suis éliminé. Non, mais en vrai, on retente. On va pas partir dernier. Allez hop, comment ça? Allez hop, nope, non. Quoi? Hors de question. Mais oh, les chiens. Mais attendez, on va pas partir dernier. Pensez au championnat, wesh. Oh, je vais péter mon crâne. Retente. Mais je sais pas, frère, une seconde si derrière Latifi, mais c'est aberrant ce que je viens de me prendre là en fait. C'est aberrant là. J'ai pris 2 secondes par Carlos Sainz, wesh. Incroyable. Go last to first. Ok. Ok, vas-y, on va prendre un moteur alors. On va prendre un moteur. Let's go, on prend un nouveau petit moteur. Et
On va essayer de remonter. Latifi porte l'équipe. Eh, hey, tranquille, tranquille, toi. Eh, hey, calme-toi, Nolan. Calme-toi. Je vois, ça me saute dessus, là. On est où, là? Vous êtes fous ou quoi, là? De sec. Non, mais attends, c'est toujours plus que... Aïe, 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 de sec, ça fait mal, en vrai. Là, deux secondes d'un coup, out of nowhere. C'est compliqué. Fais pas ça, tu risques d'avoir une casse moteur. Bah ouais, mais attends, je vais voir les moteurs. Vu que je pars dernier, en vrai, c'est l'occasion... C'est l'occasion, entre guillemets, de mettre un moteur. Ah si, regarde, tu as 50%. Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Est-ce qu'on prend un nouveau moteur ou pas? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en vrai, il y a un monde où... Il y a un monde où ça augmente les casse moteurs, ouais. T'as pas beaucoup de points de développement. Non, faut que j'économise un petit peu, j'en ai pas beaucoup là pour l'instant. Mais... Ça te fait des pièces d'avance. Non, attends, on a fait combien de GP là? On a fait 8 GP là? Si je me trompe pas. En vrai, il y a un monde où... Non, je vais pas le prendre maintenant le moteur. Je le prendrai plus tard. Je le prendrai plus tard, je prends pas le risque. Be good. Je le prendrai plus tard. Et ouais, il me faudra... Non, en fait, je suis pas sûr qu'il me faut un nouveau moteur. C'est la question que je me pose, tu vois. C'est... Vu que je suis à 50% au bout de 8 GP... 8 plus 8, 16. 16 plus 8, 24. 24, techniquement, il y a un monde où... Faut pas que j'ai de casse-moteur, en fait. Si j'ai pas de casse-moteur d'ici la fin de la saison, il y a un monde où ça tient, tu vois. Mais au pire, j'en prendrai un Spa ou un truc comme ça, tu vois, là où on peut doubler en vrai. Là où on peut doubler plus facilement. Ouais, t'as du good. Bon, par P22, objectif. Objectif, Lulu. P5, P4. Vas-y, P5. Lulu, objectif P5. Je pars dernier. Cela nécessite une discipline de fer. Frère, t'es déjà dernier, autant prendre une. Mais non, mais oui, mais chacal, imagine, j'ai une casse moteur. Imagine le fait de changer de moteur, ça me met une casse moteur. Non, mais y'a pas de P1, y'a pas de P1, frère. Pour cher, regardez, on va avoir McLaren en première ligne. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. Pour cher. Regardons maintenant le reste de la grille. Théo Pourchaire. Ok, P3. Fernando oh, les Fefe devant. Nicolas oh là là là, Latifi P5. Oh, Latifi P5, pardon, mais pardon, mais à quelle heure? Gasly et Latifi Alexander P5, Albon. Mais comment? Comment? Pérez. Ils vont s'élancer en fond de ligne à cause d'une pénalité. Tictum, Lance Stroll et Verstappen. Ok. Leclerc, Schwartzmann. Putain, Leclerc P15. Oscar Piastri et Kevin Magnussen. Ok. Ricciardo, Julien. Je suis 20ème. Ocon. Ok, je suis 20ème. Vas-y, P5, Lulu. Lulu P5, let's go. Il est donc temps de nous diriger. Let's go, Lulu. Ça va le faire. Merci Senteza pour le 4ème mois. Merci Terbac aussi pour le 5ème. Ok, alors. Pas de pluie prévue. En vrai. En vrai. En mode, ça se tente pas. En mode, ça se tente pas. En vrai, de vrai. Bien sûr que si. Tous les jours. Tous les jours, on va faire ça. Changer les pièces moteurs n'entraîne pas de pénalité. Quand est-ce que tu prends le... de quoi? Attends. Changer de pièces moteurs n'entraîne pas de pénalité. C'est que quand tu en prends plus qu'autorisé, non. Non, t'as le parc fermé aussi. T'as le parc fermé où tu peux pas changer de moteur quand t'as commencé la qualification. Deux arrêts si t'es un homme. J'ai aucun intérêt à faire deux arrêts. C'est stupide. C'est stupide en vrai. Pourquoi je ferais deux arrêts? Non, ça passe. Ça passe 100% le chat. D'ailleurs, normalement, on a modifié un truc. Enfin, Lulu a modifié. Et normalement, vous avez les émotes. Genre, FC oui, FC non. Elles sont gratuites, je crois. Je sais pas comment ça marche. Mais normalement, vous y avez tous accès, genre. Je sais pas si ça fonctionne ou pas. On vous a mis deux émotes gratos. On vous a mis les drapeaux. Comme ça, vous pouvez supporter vos équipes. Ouais, voilà, let's go. Let's go. Et on vous a mis hydropousse aussi. On vous a mis le hydro avec les pouces en l'air. Si jamais vous voulez les utiliser, vous n'avez pas besoin d'être sub pour avoir cela. Par contre, pour avoir les autres, faut être sub. D'ailleurs, je pense qu'on va les refaire. Je pense qu'on va les refaire. Faut que je trouve des idées de... Oh, les... oh le spam. Tu vois, je t'avais dit, Lulu. Je t'avais dit, ça allait être le bordel. Ah ouais, dans les motos. C'est pas grave, mais tranquille.
Mais ouais, faudrait que je les refasse. Je vais réfléchir à des. À des petites émotes à faire qui pourraient être fun. Pourraient être très fun. Non, mais tranquille, lui, chacal, c'est juste pour test après, il va arrêter. T'inquiète pas, l'après-midi finit, les gars. Je pense en vrai, ça se fait. On remonte facile en vrai. On remonte facile en vrai. Nanananana. Peu le temps de bête. Aïe aïe. Aïe aïe, la gueule du chat, j'avoue que là, mon dieu. Mon dieu. Imagine, tu mets en emote only. Ce qu'on va faire au pire sur la ligne, tranquille. Bon allez, pour remonter. Objectif podium. Objectif petit podium. Histoire de. Ah, c'est déjà en emote only. Ah merde. Mais fucked up. Ok, let's go. Ok, vamos. Allez, let's go. Ok, let's go. Mardi, tu live pour la livrée As. Alors, ça va être un tweet, frérot. Donc, non, il y aura pas de live pour la livrée As. Mais on livera le soir. Ok. Wow. Non, 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 non. Non, non, lâchez les deux. Ok, P18, ok, vamos. G7. Ok, vamos. C'est clean. Allez, lâche ça. Ah, le lâche ça. Oui. Ah ouais. Vamos. On a évité les accidents déjà. C'est clean. Oh. Wow. Pourquoi? Non, non, mais comment il a une aussi bonne vitesse de pointe? What? Ok. On le drapeau jaune derrière. Vraiment le dive? Vraiment le dive, Leclerc là? Allez, va là-bas. Va là-bas, mon ref. J'ai juré pas cool Leclerc. Mais Leclerc, oh, ça j'irais doser. Faire tellement de temps. Jure. Vas-y, t'en as pour 5 minutes. Ou un peu plus. Oh, Leclerc il abuse, frère. 5 secondes. Non non non. Ça vaut pas 5 secondes, il m'a sorti, c'est pas la même chose. Ok. Ok, vamos. Yo, Darkzito, ça va ou quoi? Oh, l'avance qu'ils ont déjà. L'avance qu'ils ont, les leaders. Ça va peut-être être un peu plus dur que ce que je pensais. Good job. Nice overtake. Ok, vamos. Vamos, vamos. J'ai pas le DRS. Par contre, j'ai pas le DRS. Donc là. Là, c'est chaud là. La Féfé est toujours devant.
McLaren ne sont pas envolés. Ah, ça va très vite devant. Ça va très 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 vite. Yorixman. Hello, ouais, c'est carré. Bonjour. Bonsoir, Pluton, voilà. Oh. J'avais rien vu. Tiens, on va revenir. Ok, on va revenir. Après, c'est le top 7 qui est vraiment loin devant. Top 7 qui a vraiment une belle avance, comme on dit là. Ticket tranquille. Comment ça, mon bœuf? Qu'est-ce que tu sous-entends? Oh, les Red Bull, elles doublent pas. Les Red Bull, elles doublent pas. Je... Pourquoi j'ai pas le DRS? Oh, genre, j'étais pas à une seconde, genre! Genre! C'est un scandale, hein. Bah alors, ça glisse, Verstappen? Oh, j'ai vu un tweet de Burgrid ce matin sur Twitter. Verstappen va rentrer dans sa 9e saison de Formule 1. Que vous vous rendez compte que Verstappen est déjà à sa 9e saison de Formule 1? Ah, c'est terrifiant. Quand il pense, en vrai, c'est terrifiant. Hein. C'est abusé, hein. C'est un ancien de fou. Hein. C'est un ancien de fou, Verstappen, maintenant, en vrai. Hein. Ouais, j'avoue, après, il est arrivé à 17 ans, le book, donc forcément, ça aide, mais... Oh, le give up mental. Oh, le give up mental de Verstappen. Le mec, il pourra faire 25 saisons. T'es pas 25 en vrai, mais... Ouais, il pourra faire facilement 15 saisons. Il pourra faire facilement 15 saisons, ouais, enfin... C'est la 6e de Charles. Ah ouais? Non. Attends, arrive en 2018. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah si, putain. Oh, c'est la 6e saison de Charles Leclerc. Oh, ça passe vite. Oh, ça passe giga vite en vrai. Mamma mia. Que 15 Barrichello a fait 10. Ouais, non mais ça va avec ton Barrichello. Eh hey, oh. Ça va avec ton Rubens. Ça. Dose tranquille. Merci Ticket de Buzz pour le... Papi Fernando. Ah, Papi Fernando, il l'abuse. Merci pour le resub. Papi Fernando, frère, il force. Chacal, il avait trouvé une stat. Je sais plus c'était quoi exactement. Mais en 2023, Alonso aura participé quasiment à un tiers des courses, je crois, un truc comme ça. J'avais lu, genre, il avait lu. Parce que le Boug, en 20 saisons, il a fait combien de courses en tout? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle vraiment? Oh, les débiles! Ok, P10. Mais là, ça va être dur là. Là, à partir de maintenant, ça va être dur pour les rattraper. Ça va être très très dur, je pense. Loin, voilà. Il a fait me défoncer avec Verstappen. En vrai, une petite safety car. En vrai. En vrai, de vrai, une petite safety car. Il y a 1000 GP à Alonso, on a fait 350. Ouais, du coup, c'est ça, hein. Il a quasiment fait un tiers des GP de l'histoire de la F1, Alonso. C'est fou, en vrai. Et pourquoi? What happened?
What happened? Moins 1. Ça va, tranquille les modos, tranquille. Tranquille, on vous voit les moins 1. Wesh. Pas compris, j'avoue que je sais pas ce qui s'est passé, mais... Petit bisou sur le mur. Down the inside! Ok, vamos. Waouh, je suis combien de secondes de retard sur mon coéquipier là? Position coéquipier. 11 secondes 5. Ah, il est en soft! Ah, ils sont partis en soft devant! Ah ah! Ok. Vas-y, on va essayer de push un peu pour voir, mais ce serait tellement drôle une casse moteur. Oh, je pète un câble, non, non, je suis fermé là. Parce que maintenant, on n'a pas trouvé de problème. Commencez pas à m'attirer le karma, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Ça boxe. Ça boxe devant. Ok, une Fefe, une McLaren au stand. Une Mercedes au stand. Ça met des médiums. Quoi? Ça va faire... Non mais jamais. Jamais ils vont au bout avec des médiums. Ils vont jamais au bout, hein. Ils vont faire deux arrêts je pense. Je pense qu'ils vont faire deux arrêts en fait. Hello flag. Hello flag. Ok. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Ok, P5, P5, good job. Je pense qu'il avait spin. P5, P5. Le Canada c'est deux stops. Bon alors là. Le Canada c'est un arrêt et c'est médium tendre. Hein. Il n'y a pas de dégradation au Canada. Hein. T'as des setups ou pas? Ouais j'ai un setup. Alors là je ferai pas deux stops. Hein. Je peux crever. Hein. Vraiment. Hein. L'après-dit c'était top 5. L'après-dit c'était top 5, donc pour l'instant Benef, Latifi au stand, Benef. On va prendre la P4. Ouh, ça slide. Ça slide, ça slide. Yellow, il y a une Mercedes qui spin. Ok. 8 secondes 3 sur Alonso. Putain, je reviens pas sur Russell par contre. Je reviens 0 là sur George. C'est abusé. De stop ou t'es raciste? Bah frérot, écoute, je vois pas le lien. Je vais faire un arrêt, mais non pas parce que je suis raciste, mais parce que c'est la meilleure stratégie tout simplement, mon frérot. Donc, limite, Button et fait 6 arrêts. Oui, ça va à toi. Et l'autre il fait 6 arrêts et gagne parce qu'il y a 12 red flags, 36 safety cars, ça va, eh. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, une stratégie c'est digne que Lyon les garde. Laissez-moi tranquille un peu, non? Vous êtes malade. En fait, à force de trop attaquer, je perds trop de temps dans la hiérarchie, ça ne sert à rien pour l'instant. Plus il a récupéré le DRS, putain le chien. Il a récupéré le DRS sur Alonso. Oui non j'avoue le dernier virage je troll un peu. Tant que Joe bloque Verstappen on est tranquille. Non il devrait pas pleuvoir. Il devrait pas pleuvoir. Pour l'instant, on est muy bien. On est muy bien. 23% à l'arrière. On est pas trop mal, mais juste je perds du temps de ouf en fait. Je perds du temps de ouf comparé au mec devant en fait là. Merci Kylian pour le 10e mois. Merci Kix.
Ouais, que ça se batte un peu Alonso Russell là. Démute-toi. Ah merde, attends, pardon. Oh, ça marche pas. Ah si, alors ? Merci pour ton soin. Oh le flop. Merci Toto pour le prime. Oh le flop. Tu le vis bien ton flop ou... Donc là je prends un flop, ça bute de Morata. Oh, attends, je vais aller sauter dans la Loire, je reviens. Du coup je reviens pas. Aïe, le but. Le but de l'Atletico. On revient 0 hein, là vraiment. Le No Man's Land il est réel hein. Le No Man's Land il est plus que réel là pour l'instant. Hein. T'as pas de rythme. Ah bah Jules, j'ai remarqué, merci Jules. Merci de l'analyse, merci beaucoup. Je fais ce que je peux. Vous savez que là vraiment cette saison en My Team elle me déprime hein. La BM elle est à chier hein. Ma voiture elle est trop nulle. Faut absolument que je fasse tenir le Insta pour vrai. En vrai, est-ce que vous pensez qu'il y a un monde où je gagne avec les pneus tendres en fin de course? Ça va vous? Ça va vous? Moi je pense que non hein. Moi je pense que non hein. Moi je pense que ça va être compliqué là, moins 2 hein. Moins 2, ça va pas être facile hein. J'ai zéro pace. C'est fou d'être aussi lent. Pourquoi le My Team cette année ça se passe si mal? Soit sur YouTube ou sur Twitch, je suis à chier. Les IA ont trop de rythme. Ah ouais non, ça glisse de fou là hein. Je pense que c'est le setup. Je pense que c'est le setup qui est pas fou. Le setup il est pas adapté à la voiture, tout ça, tout ça. Non, on a le droit à 3 flashbacks en tout. Il a bon dos le setup. Voilà, c'est fou. 10 secondes de retard. Mamma mia, je crois que le problème il est entre le volant et le siège. Qu'est-ce que ça peut être entre le volant et le siège? Les pédales? T'as quoi comme moteur dans la BM? Moteur alpine, non? Je crois que j'avais mis le moteur alpine. De le bruit. Un peu le bruit, je pense que c'est l'alpine. Hein. Ok, genre allez-y. Mais en vrai, Ferisson, t'as quel âge? Parlons peu, parlons bien. Ferisson, tu me fais très peur des fois. Voilà, je te le dis, j'ai l'impression que t'es un vieux. Il se fait passer pour un jeune sur un compte Twitch. Des fois, je me dis en vrai, genre, ça se trouve, le mec a genre 76 ans, fait croire à tout le monde qu'il a 23 ans. Non, ça aussi, faut en parler. Non, ça aussi, faut en parler. Non, ça aussi, faut en parler. Ça, un jour, j'ouvrirai le débat hein, sur ce jeu. Hein. Un jour j'ouvrirai le débat, hein, mais les F1 qui patinent en 4ème et en 5ème. Ça, un jour faudra qu'on en parle hein, de toute façon. Hein. Les voitures qui patinent quand tu passes ta 4ème et la 5ème, à quelle heure? Bonsoir. Bonsoir maître. Deux subs? Non, on a dit ce soir il n'y avait pas d'achat. Pourquoi? Ce soir il n'y a pas d'achat, c'est la règle. Oh c'est nul. Ah, ce soir, il n'y a pas d'achat. Sachant que là, maintenant, j'ai les dégâts, le rythme. Mamma mia! Il faut une safety car, en vrai. Là, il me faut une... Là, il me faut une safety car, là. Là, c'est safety car ou au placard. Hein. Vraiment, hein. Après, l'objectif, c'était d'être top 5 en soi. L'objectif, le chat, c'était d'être top 5, pardon. Et pour l'instant, les quatrièmes.
Donc en vrai, pour l'instant, c'est réussi. Hein. Pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Tour 19, safety car, t'inquiète, c'est scripté. Bon alors là, écoute-moi bien. Hein. Mosta Z1. Hein. Il y a une safety car au 19ème tour, tu prends un sub. Non, je vais pas mettre des hards. Flemme, on va pas mettre des hards quand même. Oh, quoique. Quoique, en vrai, la question se pose. Il reste 8 tours à faire là. Ça risque d'être un petit peu difficile là. Tout vu le temps que je perds en vrai, mais. Go sur des hards ou des softs le chat? Que si je vais en hard, jamais je remonte. Jamais je remonte. Ma seule tentative, ça peut être les softs. C'est ma seule tentative en vrai là. On va voir. On va attendre un petit peu. Oh, ça boxe déjà. Ça boxe déjà, ok. Ça met des pneus hard du coup, Norris au stand. Mais vous pensez qu'ils vont faire deux arrêts les autres? Ceux qui se sont arrêtés genre super tôt. Oh, Norris qui va être plus rapide en pneus hard. Le malaise. Le malaise qui arrive. Allez, hard, eux vont aller au bout, oui, ça c'est sûr. Je suis tellement lent. Oh là là, la fusée. Oh là là, la fusée qui arrive. Oh, la fusée. La fusée. C'est trop. Il pète un câble. C'est trop, la vitesse qu'elle a. Oh là là, Nivek, sale merde. Oh, Nivek, t'es une merde. Hein. T'es une épée, mais n'oublie pas que je suis au-dessus, hein. Ton épée, je peux te la reprendre quand je veux. Hein. De toute façon, il est bon de rappeler qu'on déteste les McLaren ici. Frère. C'est bon. Non, vraiment, hein, mais les McLaren, on va en parler, hein. Les McLaren, on va en parler un jour. Hein. T'es mal à Axel qu'il a. Non, c'est trop, frère. Mais je vais me détendre. Je m'en fous, on va tenter d'étendre. Il y a des fans de McLaren dans ce monde, oui. Ça existe. Cher deuxième en plus, j'avoue, ça va faire un doublé. Hop là, le blocage. Ça va faire un giga doublé. Nivek, t'es une merde, c'est bon? T'as compris? Je peux pas le tenir avec mes pneus usés, c'est impossible. C'est impossible de le tenir. C'est qui les autres qui sont arrêtés? C'était quoi? C'était Alonso et Russell. Alonso et Russell qu'on boxe. Yo, la Tsukurin.
Bon, encore 4 tours, ça devrait aller. On est d'accord que Porsche arrive à box, les gars. Le chat, on est d'accord que Porsche il doit rentrer au stand. Je suis pas fou. Non, comment ça, non? Mais il est parti en soft, il a boxe au 8ème tour. Il a boxe au 8ème tour, le frérot, bien sûr que si, il va rentrer au stand. Oh, il va me dive. Oh là 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 là, les problèmes, les problèmes. C'est bon. C'est bon pour l'instant. Demande à Jeff. Ok, il doit box. Ok, Théo doit box. Théo doit rentrer au stand. Pas mon problème. C'est pas mon problème. Il avait qu'à anticiper, hein. Eh, il avait qu'à anticiper, hein. Il avait qu'à anticiper, le chat, en vrai, hein. À la niche. À la niche, le leader du championnat. Il a voulu me dive comme un clébard. Non, mais attendez. Il est fou, lui. Non, mais attendez, attendez, attendez. Il est fou. Allez, hop, hop, hop. Hop. On retourne manger des croquettes au fond de la grille, là. Mérité, non, totalement mérité. C'est une McLaren. C'est une McLaren, c'est mérité, les gars. Putain, maintenant j'ai Stein qui revient, c'est pas mieux. Oh, je vais faire pareil à tout le monde. Ah, je vais faire ça à tout le monde maintenant, c'est parti. Hop là. Dès qu'il y en a un qui veut me doubler, je le sors. Ah. Oh là, c'est pas... Oh, c'est bizarre, mais... Ah, c'est marrant, ça me fait pas marrer. Comment ça, il boxe aussitôt? Comment ça, les refs, ils tentent l'undercut aussitôt? C'est une blague ou... I hope it's a joke, hein. Attends, mais y'a combien de pilotes en pneu hard, là? Bon, déjà, le podium, on peut oublier. Le podium, on peut giga oublier, déjà. On va mettre des pneus tendres. Je vais tenter, on va mettre des pneus tendres. On verra bien si ça marche ou pas. Oh, putain. On verra bien si ça marche ou pas. Vous avez vu comment je patine en quatrième? Non, c'est trop, non, c'est trop. Ça cheat, non, ça cheat. Il faut le dire, ça cheat. Oh, Lando, tchat. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. J'ai envie de mourir. Oh, je perds tellement de temps sur Verstappen. On est tellement lent. Mikey, please, a safety car. Il reste 12 tours. En mode, va pas y avoir de safety car, le chat. Oh. En mode, va pas y avoir une safety car. Non, je boxe au prochain, les gars. J'essaye de push le plus longtemps possible. Je vais faire un tour et on verra ce que ça donne. Come on. Merde, le DRS. Oh, je suis un boulet, le DRS. Ok, box, 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 box.
Let's box this lap, box this lap. Oh putain. Ah, si je ressors derrière pour cher, c'est la clim. Box, box, box. Ok, il y a peut-être un monde où je ressors devant. Non, je ressors derrière la Ferrari, je ressors derrière Sainz. Bonne nuit à ceux qui en ont rien. Ok, box. Oh, faut pas que je me loupe à l'entrée des stands. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, BG. Je sais pas, ça te fait quel âge d'ici hier. Ok, alors, tendre, ok. Ok. Ok, ok, ok. Maintenant, faut push. Maintenant, faut push. Avec le fond placassé, certes, mais faut push. Essayez de voir ce que ça donne. Ah ouais, non, je vais ressortir loin. Mais la Tiffy a pas box, mais pardon. Non, 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 non. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. This is getting manipulated, man. Oh non, mais what a joke, what a joke. Oh là là là, Pérez, ça glisse. Ok, 10 tours. 10 tours, un rêve. Bon, on va essayer de remonter, les gars. Ça se fait en vrai, 5 places. Ça se remonte 5 places, vous inquiétez pas. C'est qui est P5 actuellement? C'est la Red Bull, non? Qui est P5 sur la minimap? Je suis sûr que ça se rattrape en vrai. 3 secondes à cause de ces conneries. Ah, c'est Latifi. Ok. Go target Latifi alors. Normalement j'aurais dû ressortir devant lui hein. On va pour faire Edjo. Oh, ils sont loin en vrai hein. Ils sont loin en vrai, Yolui, ça va et toi? Ça va être galère là. Ok. Tranquille. Yo, elle va se faire quand même. Je fais la chicane. Putain. Attends, laisse-moi passer. On te déteste, hein. On te déteste, hein. Mais tu m'as vu, mais tu m'as vu, tu m'as vu. On te déteste. C'est trop, frère. Il a voté FC long. Allez, Pérez, passe aussi. C'est trop. Oh, 6 secondes. J'ai 6 secondes à rattraper en 8 tours. Mamma mia, it's a little too much. Ah, 6 secondes, c'est beaucoup par contre. Ok, let's push. Let's push. Ils se battent un peu là, la Red Bull Latifi. Il y a peut-être un monde où... Pas le droit à l'erreur, c'est tout. Come on.
Ah ouais, chacal. Pas que Latifi s'envole. Faut pas que Latifi s'envole en fait là. Il a pris trop d'avance. Il a pris trop d'avance. Ouais, j'ai repris 3 secondes mais sur la Féfé, pas sur Latifi. TikTok, s'en fout de TikTok en vrai. Oh la vache. Mamma mia. Ah, Lulu, t'es une merde. Je préfère le mettre sur Twitch ou sur YouTube. En vrai, YouTube. YouTube, j'ai un minimum de rythme. Là, c'est catastrophique. Là, la BM, vraiment sur Twitch, c'est. Je suis trop nul. Ouais, la TV, là, en médium. Je suis trop nul. Pas le DRS, super. Oh, drapeau jaune. Drapeau jaune. Yellow flag. Yellow flag. Alors peut-être. Mikey, please. Safety car. Oh, il y a un yellow là. Allez. Allez. Non. Come on. Réponse de la FIA, non. Bon, j'essaie de prendre. J'essaie de prendre des vibreurs, mais ça passe pas du tout. Oula. Oh. Quoi? C'est un scandale. C'est un scandale. Cette course, je me fais voler. Je me fais voler! Mais c'est trop ce jeu de fils de pute! Putain! Non, mais c'est trop, frère! C'est trop ce que je viens de prendre! C'est une dinguerie! Juré, si je finis pas top 5, c'est un scandale, hein! Jurer, si je finis pas top 5, c'est un putain de scandale. Putain de mourir. What the fuck. Salut. 3 secondes 2 en 4 tours, jamais je les ai. Putain, non, je finis la Latifi en plus. Perdu 3 secondes au stand. Perdu 3 secondes au stand. Guan Yu Jiu qui me bloque, c'est trop. Merci Quentin pour le resub. C'est beaucoup trop. It's a disgrace.
2 secondes 2. Allez. 2 secondes 2, ça peut le faire. Ça peut le faire, le FC Win. J'y crois encore. Ouais, qui se battent entre eux en fait. Ouais, qu'il y ait une petite bataille entre les deux là, mais... Est-ce que vous la sentez la P6? Est-ce que vous la sentez arriver la P6 là? Seconde 5, ça peut le faire encore. Hein. Ça peut le faire encore. Hein. Ok, on a le DRS. Allez, Théo. Allez, pour cher, come on. Come on, pour cher. Allez, allez Théo. Oh la vache. On le fond plat. Oh putain, faut pas que je fasse ça. Oh. Oh. On va avoir deux tours. On va avoir deux tours. Oh le FC oui, oh le FC oui, on va avoir deux tours. Ils ont une sortie de virage, je me trompe là. Allez Théo, t'es grand. Tentative de mur là. La tentative de mur là par contre. J'ai juré la tentative de mur là. Oh là là. Oh non mais non. Mais non. Mais putain il sait pas prendre une épingle. Sérieux. Oh non, on va être trop loin, on va être trop loin. On va être trop loin, non. Oh, oh la vache. Reste dans ta zone, reste dans ta zone. Putain, un câble, hein. J'ai envie de péter un câble, hein. Ce script, c'est un script, c'est putain de scripté. C'est putain de scripté, j'ai juré. J'ai juré c'est scripté. J'ai juré c'est scripté. C'est impossible. J'ai juré c'est scripté. J'ai juré c'est obligé. Et je me suis fait voler sur cette course. Je me suis fait voler sa mère entre Guanujo, le pit stop. Ah vas-y, c'est bon, à un moment c'est trop. Théo Pourchaire qui se décale. Non, c'est bon, à un moment. Trop, c'est trop, frère. Une magnifique performance de McLaren, dis donc. Oh bah quelle surprise. Quelle surprise, bah dis donc. Oh bah oui, la météo était parfaitement adaptée à la monoplace. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir, sérieux, mais...
Vous avez donc déjà, le setup, il était pourri. Déjà, voilà, le setup, il était pas bon. Ensuite, le fond plat était cassé. Le pit stop, il est raté. Latifi, je sais pas comment il a fait sa strat, il a fait un arrêt, c'est pas possible. Non, c'est... Frère, bien sûr que ça rage. Ah mais là, je rage, j'ai le seum. J'ai trop le seum. Putain, j'ai giga le seum. C'est de la faute du setup. Mais oui, je pouvais pas réaccélérer. Latifi P4, à un moment... À un moment, stop. Pour moi, c'est Julien. Putain. Après, en vrai, on n'a pas tant perdu de points que ça. On a perdu 8 points. On a perdu que 8 points, en vrai. Ça va, tu vois. Mais... Méritait mieux. Eh, Victor, écoute-moi bien. Je te croise dans la vraie vie, je te fais manger une galette, c'est bon ? Victor, tu fais trop le malin. Putain. 68 points, c'est beaucoup en vrai, le chat. Hein. 68 points, c'est beaucoup, hein, mine de rien. Une galette 6-6, miam. Putain, je suis dégoûté. Nikumar, P17, quel loser. Pareil, il aurait dû avoir une safety car. Ocon, il est quasiment sur la trajectoire. Putain. C'est quoi le suivant, là? C'est quoi le deuxième GP, là, que je pleure un peu moins? Oh non, c'est Silverstone. Attendez, c'est Silverstone, non? Oh là là, Silverstone. Ça va être dur, 68 points, mais c'est impossible à rattraper, 68 points. Comment vous voulez que je rattrape 68 points? J'ai Latifi en coéquipier. C'est mort. Jamais de la vie. Tu vas avoir une casse moteur. Oh là 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 là, si j'ai une casse moteur en plus. Si j'ai une casse moteur en plus à Silverstone. Ça va faire un malaise, hein. Ça va commencer à faire un malaise, hein. C'est trop, là. Hein. Y'a rien à développer, en plus, qu'est-ce que je fasse. Merci, Wabri, pour le meilleur tour. Merci, frérot. Y'a rien à développer, en plus, je peux pas push l'équipe, je peux pas... Je peux pas prendre de pièces, je peux rien faire. I'm stuck. I'm fucking stuck. Oh là 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 là, Chacal, fais attention à ce que tu fais, Chacal. Hein. Chacal, tu veux... Attention, Chacalinho, hein. Chacalinho, tu veux prendre 10 minutes, toi, hein. Tu fais beaucoup trop le malin, hein. Ah, Silverstone, pourvu que ça se passe bien. Pourvu que ça se passe bien. Latifi a l'air d'être à bout et on pense que ses activités quotidiennes lui prennent trop de temps. Il faut tenir le planning, on veut... Non, mais oui, il va tenir le planning, je m'en bats les couilles. Il se débrouille. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ça dégage. Il va tenir le planning, il va s'entraîner, il est fou lui. Il est fou. Oh, vas-y, faut que je réussisse ça. Faut que je réussisse l'autocross en vrai. C'est pas pour venir à ton niveau, mais la difficulté est un peu haute. Attention, hein. Attention, hein. Je vais péter un câble, hein, vraiment. Les activités en question, LeBron James. LeBron James. Yo, et l'autre, ce qui arrive. Yo, Maxime, merci pour le quatrième mois. Putain. Y'a pas tort. Il n'y a pas tant. Je m'attendais tellement à mieux. Je m'attendais tellement à mieux. Non, non. Au moins, je suis bon à ça. Oh, je l'ai pas touché. Je l'ai absolument pas touché, le con. Non ! Non ! Non ! Moi, bon, c'est mort, allez hop. Allez hop, j'en ai pris 4 d'affilée. Putain, l'autocross sur du bitume, c'est un concept. Bien sûr que c'est un concept. En vrai, certaines... Oh, la gueule du casque. Oh, putain, effrayant. Après, en vrai, ça se trouve, c'est le casque, hein.
En vrai, eh, ça se trouve, c'est le casque qui me porte la poisse. Il faudrait peut-être que je change de casque, non? Il y a un monde où c'est à cause de ça, tu vois. Non, si, je suis bon d'habitude à ça, mais chill, tranquille. Tranquille, tranquille. Les McLaren, c'est abusé. Non, mais on est d'accord, rassurez-moi, dans le chat. On rigole, mais dans le chat. On est d'accord que vous aussi, sur vos modes My Team, vos modes carrière, etc., vous avez les McLaren, elles sont overcheatées. Vous avez au moins un pilote McLaren qui est genre monstrueux, tu vois. On est d'accord, rassurez-moi, là, parce que... Oui, 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 non, oui, non. Non, non, oui, oui. Pas pour le moment. Ah ouais? Ah, moi, ça commence à faire un bout de temps que j'ai ce bug. Zach Brown a payé hier. Mais je comprends pas pourquoi ils ont autant de potentiel, en fait. Je comprends pas d'où sort ce potentiel, tu vois. On va essayer de se faire un casque. Attendez, on tente un truc. Ouais, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Vas-y, on prend le casque de fleurs, là, hop. Ça se trouve, il va nous porter chance. Il va nous porter chance, en vrai, là. T'as pas encore été champion. Sur Twitch, non. Non, non, sur Twitch, j'ai pas été champion encore en mode My Team. Il y a un fan infiltré chez Codemaster. Frère, je comprends pas d'où sort, en fait, cette performance. Ils ont beau ne pas avoir la meilleure voiture, ils ont tout le temps un pilote qui est overcheaté. C'est inexplicable. Peut-être qu'en cherchant dans les... Oh, imaginez, il pleut. Non, c'est bon. Peut-être qu'en cherchant dans les fichiers et tout, tu trouveras, mais... Je comprends pas d'où ça sort, ce rythme. Oh, Red Bull a amélioré. Wouah, Alfa Romeo. Oh, wesh. Wouah, Alfa Romeo qui a reçu double châssis, double moteur. Normalement, McLaren, on est censé les tabasser. On est censé les détruire, vraiment. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'un jour... Attends, est-ce qu'il sera champion un jour sur Twitch? Bah là, pour le coup... si je gagne pas cette saison, ça va être difficile, là. Ça va être très très difficile. Norris, il est cheat dans le jeu. Moi, c'est pas Norris. Enfin, ça dépend. Ça dépend, mais c'est pas tout le temps Norris. Sur YouTube, c'est Leclerc. En fait, je crois que c'est le pilote numéro 1, en gros. Le pilote qui a la voiture numéro 1, il est cheaté chez McLaren. Donc ça peut être Norris. Moi, par exemple, c'est Leclerc. Ça peut être un autre pilote ou quoi. Enfin bref, le graphique il est full bug. Ouais, le graphique est totalement fucked up. Oh, en vrai il a un flow. Le casque en vrai il est pas si dégueu si. Le casque a une vibe, on va dire. Le casque a une petite vibe. Chez moi c'est Vettel qui est cheat chez McLaren. Oh la chance. On le voit pas, si on le voit un petit peu. On le voit un petit peu le casque. Il a une vibe Alonso un petit peu. Avec les éclairs. On dirait les éclairs genre sur le côté. T'as vu le TikTok pour la salade? Non. Oh, oh, oh. Non, j'ai pas vu le squat, le TikTok pour la salade. Pourquoi faut pas la couper? Lucas, il a pris 3 jours, il m'a fait une liste de toutes les choses qui peuvent porter la poisse sur Terre. Attention, hein. Lucas, il est parti en mission, hein, vraiment. Hein. Non, j'ai pas vu le TikTok, allez. Il y en a tant que ça. En vrai, non, il n'y en a pas tant que ça. Mais lui m'a trouvé des trucs. Genre, c'était quoi? C'était serrer la main croisée? Non, c'était quoi? Il y avait un autre truc comme ça? Genre, serrer la main, mais en croisant ou un truc comme ça. Apparemment, ça porte la poisse aussi. Ou hop là. Est-ce que ça passe à fond? Non, je pense pas. Je pense pas que ça passe à fond, malheureusement. Croiser les verres en traquant. Ça, je connaissais, ouais. Pareil, quand tu trinques, faut regarder dans les yeux, normalement, je crois. Un truc comme ça. Ok, bon, les programmes sont faciles. Les programmes sont chill. Peut-être un peu de bonheur. J'aimerais bien que ce soit du violet, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis, tant pis. Ne pas se lever du pied droit, quoi? Comment ça ne pas se lever du pied droit? Genre en mode il faut que tu poses le pied gauche en premier tout le temps toi? Vous êtes effrayant, ça fait peur ça. C'est effrayant ouais. Je crois. Non c'est le pied gauche. Ah!
Faut pas poser le pied gauche en premier. Mais c'est effrayant, attendez, mais excusez-moi, mais... On arrive à un stade où... Tu te réveilles, tu poses le premier pied que tu trouves par terre, tu vois. Merci Nérôme pour le 15e mois, merci beaucoup. Il a essayé de sortir une... Il a essayé de flex en mode, ah, faut pas faire ça et tout, dommage. Je t'ai levé du pied gauche, ok, ok. Mais là, mon rythme est... Alors, le rythme est pas mauvais, mais la dégradation des pneus, c'est catastrophique, là, par contre. C'est terrible, hein. Perso, c'est ma troisième jambe qui touche le... Oh, et... Olé, molé, toi, hein. Bon appétit, c'est aussi un peu... Ah ouais ? Dire bon appétit, c'est impoli, pardon. Enfin, c'est mal poli, non ? Plutôt que impoli. C'est mal élevé. Ah ouais, mais attends, mais quoi ? Normalement, bon appétit, c'est au contraire, c'est genre mange bien, tu vois. En quoi c'est mal élevé ? Je découvre un truc là, vraiment. Comment ça, c'est mal élevé ? Car on mange pour vivre et on ne vit pas pour manger. Quoi ? Oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qu'il me raconte le philosophe là ? Qu'est-ce qu'il me baragouine ? Qu'est-ce qu'il me baragouine le breton là ? Je vais hurler là. C'est dire à tes souhaits qui est mal élevé. Mais quoi ? Mais qu'est-ce que le gars ? C'est des trucs de politesse justement ça. On est dans une secte ou quoi, mais je vais faire un malaise là, vraiment. Hein. Je suis en train d'apprendre de ces trucs, mais qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'entends ? Alors, le bon appétit, c'est vrai. Hein. Mais explique-moi du coup. C'est en gros, c'est dire bon transit en fait quand tu manges. Enfin, bon transit, pardon. Mais what ? Mais hein ? Donc, du coup, c'est mal poli. Ok. Bah, bon appétit. Je te l'avais dit pour le miroir. Lequel ? Bah quand tu casses un miroir, ça porte malheur. Ouais, mais ça c'est connu ça. Bah on l'avait pas cité. Ouais, ça... Non, on l'avait pas cité, si je crois on l'avait cité. Ah, le miroir, c'est... Rien. Le miroir, c'est un classique. Ok. Mais attends, mais... Je vais hurler. Dire à tes souhaits, c'est une insulte. Eh, vraiment, mais... Qu'est-ce que j'apprends, là ? Dans le Deston, on dit bonne dégustation. Ouais. Bah, dans d'autres restos, on dit tenez votre commande après. Mais sûrement, ouais. Pour ATSOS, ce qui est mal poli, c'est que tu le fais remarquer à la personne. Ne rien dire, c'est comme si tu ne l'avais pas remarqué, c'est plus respectueux. Mais. Quoi ? Non, faut arrêter. Le plus drôle, c'est quand tu dis à tes morts. Hein ? Mais non, c'est pas ça, c'est genre la troisième fois, tu dis pas à tes souhaits, tu dis un truc dans le genre. Non, j'ai jamais entendu cette histoire. Mais c'est pas une vanne, hein, non, oui, les gars, pourquoi vous dites flop, c'est pas une vanne. Parce que moi aussi, je croyais que c'était une vanne au début, mais attends, non. Non, c'est à tes souhaits, et c'est tout, frère. C'est fou, n'empêche, comment on partage... Oui, à tes amours. On partage un pays, on partage pas du tout les mêmes habitudes. C'est fou, quand même. Un jour, on m'avait dit que dire à tes souhaits, c'était irrespectueux. Bah putain, à tes emmerdes. Non mais alors, Natinho, non, mais à tes souhaits, à tes amours, à tes emmerdes. Ça, c'est le tonton bof un peu raciste bourré au verre de vin. Non. Ça, c'est pas une histoire de... Ça, c'est le truc que le fan de Johnny, il dit au goûter, tu vois. On a le même maillot, mais pas la même passion. Non, on a pas le même maillot, mais la même passion. C'est un peu la vibe, ouais. Je découvre de ces trucs... Il a raison, à tes souhaits, à tes amours, à tes morts, je le dis aussi. Mais tu dis, ah, mais à tes morts, mais t'es malade, mais pourquoi tu dis ça à quelqu'un ? C'est peut-être à ta mort ou je sais pas pourquoi. Mais je vais péter mon crâne. Je suis désolé, mais je suis un tonton bourré à la bière dans ce cas. Mais hein ? Comment ça, mais à tes morts ? Non, alors là, pour le coup, c'est irrespectueux, à tes morts, mais comment ça, à tes morts ? Mange tes morts. J'ai tapé à tes souhaits, je suis tombé sur un forum Reddit où ça dit, chez nous, c'est à tes souhaits, à tes amours, on va te faire foutre. À tes souhaits, à tes amours, crève. Mais quoi ?
Mais vous êtes des malades. Vous êtes des grands malades, hein, vraiment. Hein. Merci Tangistix pour le prime, bienvenue. Merci beaucoup. Mais vous êtes des malades. Ah, tes soins, tes amours, va baiser ta mère. Ouais, c'est bon aussi. Faut doser. Stop. Oh, c'est terrible. Yo, Pizza Boy. Trouver des places pour le Major. Non, pour le coup, malheureusement. Après, je me suis pas penché dessus non plus, mais j'ai cru comprendre, que ça s'était vendu très vite. As-tu trouvé des monteurs? Non, on est toujours à la recherche de monteurs, là. On a toujours le Google Doc. Non, c'est un Google Form, pardon. Toujours le Google Form d'ouvert que vous pouvez remplir. Et moi, je dis bless you. Oh, l'anglish. Oh là là. Ok, Rides. Ok, Rides. Bless you. Mon dieu. À tes souhaits, à tes amours. Toujours plus, frérot. Ben oui. Oh, d'ailleurs, comment ça? Oh, d'ailleurs, j'ai très peur. Le bless you, c'est pour les caméras. Non, mais le bless you, c'est en cours d'anglais, c'est tout. Je dis pas bless you dans les rues de Paris, hein. Je suis pas très rapide en vrai. Genre, non, toi, j'ai pas en France, tu peux m'aider. Bah, mon ref. Est-ce que t'as déjà fait point d'exclamation NordVPN? Est-ce que t'as profité de l'offre avec mon code Hydro pour pouvoir regarder des séries à l'étranger qui sont pas disponibles en France? Est-ce que t'as déjà mis ton iPad, ton iPhone, ton téléphone, ta Play, ton ordi fixe sur NordVPN pour protéger ton adresse IP? Il est pas bête, Chacal. Ah oui, Chacal. Naruto, je sais pas si t'es dispo dans quel pays, mais mon frérot, avec NordVPN, tu l'auras au moins. Ça fonctionne bien, tout en vous, je sais pas, je viens de l'avoir. Je viens de l'avoir, jeu d'acteur en Limousin. Je sais même pas que Naruto c'est sur Netflix ou pas. Je viens de l'avoir, Tuteur Blue, on verra dans un mois si ça marche ou pas. Si ça marche pas, ça dégage, je veux le prix que ça coûte. Si ça marche, bon, on le gardera. Hein. Ah, c'est sur. Bah, c'est le pire exemple, du coup, Chagall. C'est le pire exemple, frérot. NordVPN, c'est aussi un moyen de te protéger sur Internet. Oui, ton adresse IP. Quand tu vas sur des sites un petit peu malveillants ou quoi, ça te permet de pas prendre de risques. D'ailleurs, spoiler, j'ai dû utiliser NordVPN pour avoir Twitter Blue. Le GForm, il est épinglé sur mon profil Twitter, si tu veux aller voir pour les monteurs. C'est épinglé sur mon compte Twitter. Vous avez le lien. Voilà. Perso, j'ai mon pack pour les 4 jours. T'as pris les 4 jours, Pizza Boy! Incroyable! T'as pris quoi comme place? Yo Tristan, ça va quoi déjà? Comment va y? Que c'est déjà mieux qu'au Canada en vrai la voiture, mais. Bonne ira, ciao! J'ai envoyé le GForm, je n'ai pas de retour. Alors, le GForm, pour le coup, moi j'ai pas encore mis la main dessus. On l'a lancé quoi la semaine dernière, je crois, donc. J'ai pas encore check les candidatures ou quoi là. Avec Daito qu'il y avait la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Catégorie 2 à 220. Ouah, 220, ça picouse hein. Ça va, écoute Tristan, tranquille. Hein. Tristan, un avis sur le premier jour de Fred Vasseur à Maranello? Enfin, le premier jour. Auprès de la voiture. Tours ça suffit en vrai, on les a là, let's go. aïe. Enlève ce maillot, ça me fait penser à l'ex, à ma meuf, c'est stressant. Quoi, mais c'est un malade. Qu'est-ce que tu me racontes toi? Premier jour, rien que sur les photos, il me donne plus d'espoir que Mathieu en 4 ans. Oh, t'es aigri Tristan, comment ça mon ref? Comment ça mon bœuf? Qu'est-ce que tu sous-entends? Canada, on a fini P7. Il a raison. Moi je dis, faut se méfier du loup qui dort.
Il y a un monde où Mattia Binotto il nous a laissé dans la merde. Faut tout refaire. Faut tout reconstruire. Il a trop de charisme pour nous décevoir. Moi je me méfie hein. Moi je m'emballe pas trop hein, parce que si ça flop, attention hein. Si ça flop, premier GP, on termine 8 et 9. Aïe 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 aïe. Attention hein. Non. Super, super. Un bonheur. Un bonheur. Merci beaucoup. C'est... le bonheur. Faut lui laisser le temps. Non, ouais, de ouf. Faut lui laisser le temps, ouais. Ça veut dire que les problèmes sont plus profonds que le team principal. Et si ça venait du pitwall? Et si ça venait de la direction, en vrai? Alors, pourquoi pas? Non, je suis pas pessimiste, en vrai. Je me méfie juste. Je suis pas pessimiste. Mais je me dis juste qu'il y a un monde où ça peut mal se passer, tu vois. On verra la patte de Vasseur qu'en 2024. Ouais, je pense qu'il va falloir attendre un peu quand même. Il va falloir attendre 2024, 2025 pour voir vraiment ce que ça donne. Rueda out. Je sais pas s'il va le virer. J'avoue que depuis, on n'a pas eu de... Mais je vais péter mon crâne. Attendez, mais... Lulu, je viens de voir ton message d'il y a une heure. Oui, j'ai oublié et je vois des messages, mais... Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que... Mais ouais, Rueda, je sais pas ce qu'il va en faire. Je sais pas s'il va le garder ou pas. J'en ai aucune idée, honnêtement. Non, on va pas prendre un nouveau moteur. On va aller en qualif comme ça. Hop. Et on verra bien ce que ça donne. La F1 vous manque-t-elle? En vrai, ouais. En vrai, ça commence à manquer, là, un petit peu. Ça commence à manquer un petit peu. Mais je me dis qu'on va vite revenir sur les catastrophes de Ferrari. Et que je vais vite vouloir que ça reparte. Je vais vite vouloir oublier tout ça. Donc, je me dis, profitons. Là, pour l'instant, c'est les livrées. Tranquille, tu vois. Mais ouais, ça va aller vite, en vrai. Ça va aller très, très vite. Hein. Heureusement qu'il y a le reveal de As. Ouais, c'est dans 5 jours, là. C'est bientôt. Hein. C'est bientôt, c'est bientôt. Hein. Merci, Mavax, pour le 6e mois. Merci beaucoup. Bahreïn 2022, on était heureux. Qu'est-ce qu'on était heureux en 2022? Qu'est-ce qu'on était bien. Max champion 2023, ouais, je pense. En vrai, je pense que oui. Hein. Je pense que ce sera Max une troisième fois, mais... Ah si, 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 on était très heureux, Chacalin. Bring me back to mars 2022. Hein. Quelle belle époque. Hein. On était heureux, il n'y avait pas de problème dans la vie en mars. Tu me fais confiance, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le maillot de synthé, Mavax, c'est un défi, c'est un sub-goal, c'est pas ma faute. C'est pas... Va mettre 50 euros sur le réel qui marque le prochain but. Attendez. Il y a combien là? Il y a 1-0? Attendez, attendez, attendez. Lulu, il m'a dit, tu me fais confiance. Moi, je fais confiance à Lulu. Moi, j'ai full confiance en toi, Lucas, hein, sache-le. Hein. Real Madrid marque le prochain but. Attends, quelle équipe marquera le deuxième but? C'est ça du coup la question. Quelle équipe marquera le but 2? On est d'accord? Non, non, Lulu, tu peux... Non, non, tu me rembourses pas, c'est mon argent. Vas-y. Je te fais confiance, je regarde pas le match. Hein. Je te fais confiance, Lulu. Hein. Oh là là, si au moment où je bête... si au moment où je bête, il y a un but de l'Atletico, Lulu, j'apprécie à moitié. Hein. Je te fais confiance, Lulu. I trust you. J'ai très peur, hein. Je vois pas le match. Si je vois d'un seul coup que ça crie... Cote à combien? La cote était à 2, perso. La cote était à 2, donc on va voir. Non, bah oui, mais... Alors, le timing, les gars... Le jeu d'acteur est pas ouf. Le jeu d'acteur est pas ouf dans le chat, soyons honnêtes. Mais... du coup, tout le monde va me faire croire qu'il y a des buts, maintenant. On verra après le match. Ok, concentrons-nous un petit peu sur les qualifications, ça n'a pas été notre point fort depuis le début de la soirée. Petit dernier au Canada déjà. Ok, va voir. Secteur 1, c'est le plus chiant, ouais. Thank you.
Non. Oh, j'ai raté la corde. Totalement raté la corde. Dommage. Dommage, dommage. Si la copa avec Kirja va reprendre. Ah, elle reprendra, mais dans longtemps. Là, on fait une pause. Pour l'instant, on fait une petite pause. Je vais refaire un tour. Je vais refaire un tour parce que j'ai perdu grave du temps dans le secteur 2. Ah, grave du temps dans le secteur 1, let's go. Super. Super. C'est une dinguerie comment Twitch vide ma batterie. Mieux borg, bah recharge. Oh l'aide de zinzin. Oh le conseil de fou. Oh, mieux borg, heureusement que t'es là parce que je pense que. Ah, je pense que vraiment mieux borg, sans lui, sans toi pardon, on s'en sortirait pas. Hein. Ouais, je parle de dedans, je parlais ça gagner. Dommage, ça aurait pu hein. Dommage, hein. A failli, hein. Lulu, j'y crois, moi. J'ai confiance en toi. Pas amélioré. Pas amélioré, en vrai. Pas ouf, pas ouf, pas ouf, le tour, là, pour l'instant. Compliqué, compliqué. Imagine, le score, il bouge pas. Bah, on aura perdu 50 euros, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, comme on dit. Hein. Pas ouf du tout, là, le chrono, là. Je suis à 8 dixièmes. Oh là 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 là. On souffle, sérieux, ta bête. Ouais, j'ai mis 50 balles. Oh, c'est abusé. En vrai, ça passe. En vrai, I trust the process, ça passe. Je me fais pas éliminer, je pense. Je paye 9. Non, en vrai, je recommence. En vrai, je recommence. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Oh, yes. Yes. Vamos. Ok, c'est bon. Je suis passé. J'ai eu trop peur. Hein. J'ai eu trop peur. Hein. J'ai eu 1,84 sur le prochain but. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai eu 2. J'ai eu 2 piles. Que passe, Natinho? Que passe, Natinho? Alright, let's go. Let's go, let's go, let's go. 2-0-5. Attends, mais qui a parié sur le Real là du coup? 2 aussi. Ah, mais tout le monde a parié sur le Real en fait du coup là. Tout le monde a parié sur le Real là. Moi. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai vu Benzema aussi en même temps. Ah oui, toi tu viens du futur toi. Toi tu sais qui tu veux voir marquer quoi. Ok, vamos. Comment ils vont aussi vite? J'aimerais trop voir les on-board. J'aimerais trop voir les on-board pour une fois, tu vois. Moi, je pense que cette année, sur la F1, je vais me mettre à Paris. Je l'avais fait l'année dernière. Mamma mia. Mamma mia, la dinguerie que je me faisais, vraiment. Pour combien je suis modo? Pour combien tu prends 10 minutes de ban, Alex?
Putain, 97 millième. Chacal, c'est pour qui les 2500? Pour toi ou pour moi? C'est bizarre, tu donnes un prix, mon ref. D'accord, un bête Ferrari, foire son pic. On partage? T'as cru que c'était un Kit Kat ou. Non, attends, c'est quoi déjà en partage? Non, c'est Kinder Bueno. Partage rien du tout, excuse-moi, mais on est où là? Il est fou lui. J'ai raté la corde. Putain. Bouge devant, bouge. Rien à améliorer du tout, putain. Rien amélioré du tout là! Merci Widox pour le 8ème mois. Oh Swim! Ça va Swim? Comment il va? Alors. Putain. Sérieux, mais je suis trop lent! Une seconde, deux. En vrai, je pense que j'ai 2, 3 dixièmes, mais grand max. Tu liras mon WhatsApp? Oui. Tu me l'as envoyé quoi? Tu me l'as envoyé quand? Tu me l'as envoyé aujourd'hui, Lilian? Il y a 8 ans. Ah! Ah! Alors, moi et WhatsApp, frérot, j'ai des messages. Ok, oui. Je m'en occupe après le live. Je check après le live. Moi et WhatsApp, Lilian, si tu savais. Disons que si ça passe, si je réponds pas le jour même, ça passe dans les ténèbres. Yep. On se refait un call ou quoi, en tout cas. On se tient juste. Bon, il faut au moins 3-4 dixièmes là. Ok, let's go. Faut que je passe en Q3 quand même. Faut que je passe en Q3, wesh. Attends, t'es à Paris la semaine prochaine? Je serai jeudi et vendredi. Bien. Je sais pas ce que tu fais à Paris ou combien de temps tu restes, mais j'y suis les deux jours. Mercredi à vendredi. Ah, mais on y sera peut-être pour la même chose du coup, non? Oh fuck. Enfin, non, on sera pas pour la même chose, mais. Ok, anyway. We speak after? Ah, tu vois Jerem Star. Ah, alors pas vraiment. Non, oui, non, moi je veux pas voir Jerem Star. En effet, on y va pas pour la même chose du coup. J'ai décidé à faire un peu de cinéma, Jerem Star. En Q3, je serai dixième. Hein. Je vous le dis tout de suite, mais en Q3, je serai dixième. Hein. Je peux pas aller plus vite, hein, c'est impossible. Impossible les gars, au Canada on a fini P7. Je suis trop nul ce soir, je suis trop nul, c'est un enfer là. Il vient faire une interview de Charles Deschti qui s'est lancé dans le hic. Oh là là, les larmes. Oh, pff, oh les trois modos direct, bam. Bam, Silverstone, la triplette. Ah mais je sais pas si c'est le setup ou quoi. Ah les deux Mercedes éliminés en Q2, mon bonheur. Ça on espère que ce sera ça à Bahreïn aussi. Hein. Mercedes éliminé en Q2 à Bahreïn pour le plus grand plaisir des fans de Formule 1. T'y vas pourquoi, langage codé? Oui. J'y vais pour de l'art. J'y vais pour de l'art et pour des belles voitures. Pour deux choses. J'aimerais bien y aller pour le quad, mais. Non, le quad, j'aimerais bien, hein, mais. Pas possible. J'adorerais avoir un quad.
on supporte Lewis l'année prochaine. Ouais, ouais, on supportera Lewis quand il sera P9, ouais. On aimerait bien, c'est vrai, on aimerait bien. Hein. Toujours rêver de conduire à quad. Bref. Ah, faut que je te raconte des trucs, Lilian, d'ailleurs, en plus. C'est vrai qu'il faut qu'on s'appelle Lilian Bébou, faut qu'on se raconte des trucs. Ok, vamos. Ferrari quand ils seront dans le mur. Bon, bon. Comment ça, Ferrari quand ils seront dans le mur? En vrai, qui gagne la première course? Voilà, comme ça, out of nowhere, un petit feeling là. Respirez un bon coup. Victoire de Pérez. Voilà, c'est dit. Victoire de Pérez à Bahreïn, je sais pas comment, mais... Charles, Max, Mercedes, Russell, Aston. Aston, quoi? J'ai dit respirer un bon coup, hein. C'est pas sniffer de la coke, hein. Il est fou, lui. Fernando Alonso, vous êtes fort. Charles, Charles, Ferrari, Aston, As. Oui, bah oui, As, au moins, oui. Lewis Hamilton. Merci Fiat pour le prime. De Vries. Putain, c'est vrai qu'il y a De Vries en F1 l'année prochaine. J'avais totalement zappé ça. Oh non, mais pardon, le fond plat, vraiment. Vraiment. Le gars qui gagne la première course finit toujours deuxième au championnat, donc Max. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que ça fait longtemps, ça, cette stat en plus, hein. Le vainqueur du Grand Prix de Bahreïn, ou en tout cas du premier GP de la saison, ne gagne pas le championnat. Je crois que le dernier, c'était Rosberg. Rosberg avait gagné l'Australie en 2016, et il avait gagné le titre, si je dis pas de bêtises. Oh, j'en ai aucune idée. Bah, tu me poses une question, mon petit Swim. 24-7, mais mec, c'est une seconde de plus rapide, comment je fais? Le département du GR, c'est le 32. Ok, ouais. Sûrement. Depuis 2016, la malédiction. Ouais, exactement. Hey, come on. J'ai compris. Ok, mon petit Swim, merci beaucoup pour le sub offert. Aïe, 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 aïe. Attendez. I have a message. Oh non, je peux pas ressortir. C'est une blague, je peux pas ressortir. Merde. Hop. Hop là, je crois que j'ai pas le temps de refaire un chrono à partir P8, les gars. On va pas avoir le temps de refaire. 28 secondes, 27. Oh oh oh. Attendez, il y a un monde où. Si ça passe ou pas? 20. Ça passe ou pas? 18. Ah non. Si ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, je suis P8. Go viser au moins un top 7. Un top 7 avec un bon départ, je suis P5. Come on. Allez, let's go. Qui sera le prochain champion de F2? Alors là, j'en ai aucune idée. Je pense que ça va être très 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 serré. Oi. Oh, la trage, Hydro. Catastrophique ce soir, le live. Vraiment, je perds du temps là, mais je suis à 7 dixièmes dans le secteur 2. Je suis à 7 dixièmes dans le secteur 2, mais à quelle heure? Victor Martins. Oh ouais, moi je signe. Hein. Victor Martins, champion du monde, je signe, mais alors tous les jours. P8, putain, j'ai pas évolué. P8. P8, putain. Martins, Easy, Leclerc ou Adjar. Adjar aussi, hein. Adjar solide, hein.
solide, pourchère en plus à la troisième saison. La F2 n'est pas un championnat du monde. Oui, oui, on sait, on sait, on sait. Oh là là, aigri, aigri, Tovigno, aigri. Adjar, mon crack. Adjar est fort. Hein. Ah, mais non, pas du tout. Arthur Leclerc en F2, gros flop. Je sais pas s'il va flop en F2, Arthur Leclerc. Je pense qu'il gagnera pas le titre dès la première saison. Mais de là à flop, c'est quand même dur, tu vois. Je pense qu'il sera top 5 au championnat et il va chill, tu vois. Il va chill. Bonne nuit. Bonne nuit, c'est qui, on dort bien. Jack Zoan mettait le PL dessus. Tu penses qu'il va perdre? Parce que l'année dernière, c'était pas... l'année dernière, ça allait, en vrai. L'année dernière, ça allait, mais c'était pas non plus folichon, tu vois. En vrai, c'était clean. Je suis dur, mais pour Cher sur côté, aïe, il est mot dur. Mettez un PL pour Adrien David, surtout. Ah bah, il en a besoin, oui. Alors là, oui, pour le coup, le pauvre, il en a besoin, Adrien David. Mais je vais finir avec 5000 points de ressources, moi, la saison, en vrai. Courtois est trop fort. Je m'en bats les couilles de Courtois, je veux un but. Lucas, je veux un but. On a la combien de minutes, là? Je t'ai écouté, j'ai mis 50 balles, je vois pas le match, moi, je sais pas ce qui se passe, hein. Coup franc pour l'Atletico, je vais péter mon crâne. Il a une malchance de fou sur les trois dernières courses, Prince. Ouais, peut-être. Je t'avoue que je me souviens plus du tout de la saison. Je t'avoue que là, tu me reparles de la saison de F2, déjà que la F1. Je galère, alors la F2, c'est à 70 minutes. Ok. Nous voici de retour à franchement, il est pas sur le côté, mais les gens l'ont trop saucé comme étant le Messi, alors que bah non. Bah après, en même temps, début de saison, pour cher, il a dit, ah, le titre, on l'a dans la poche et tout, machin et tout. Du moment où tu parles, tu commences à dire beaucoup de choses, voilà quoi. Ok, je vais quand même répondre après. Envie de tout quitter pour une assist. Oh là 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 là, putain. Qu'est-ce qu'on était bien à l'époque, Lilian. T'avais pas de problème dans la vie en vrai. Mais pas de problème, c'était exceptionnel. C'était vraiment le bonheur, comme on dit. Hein. Le bonheur. Hein. Pas d'autre mot. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Fernando Alonso. Je vous jure, s'il y a. Non, ouais, attention. Hein. Oh, Pourchaire est 7ème, ok. Pourchaire est 7ème. Je pars 8ème, en vrai, top 4. En vrai, top 4, je pense. Large. Je pars 8ème, large faisable, top 4. Easy. Tranquille. De Paille qui rentre pour la. Oh non. De Paille qui va nous clim, non, l'enfer. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir. Je pense top 4, ça se fait tranquille, Lulu. Tu peux mettre la prédit. Dans le pays de Lucas, tu vas à Nantes? Incroyable. Qu'est-ce que tu vas foutre à Nantes, par contre? Telle est la question, mais. Est-ce que je pars en médium ou en tendre? En vrai, je peux partir en tendre et faire les dépassements. Je pars en tendre, je dépasse tout le monde, je mets des médiums. Ils m'ont invité à avoir un entraîne trop bien. Incroyable. Les softs, c'est les pneus usés. Ah oui, j'avoue. C'est pas grave en vrai, ils font 8 tours. Juste les médiums à la fin, ils vont prendre tarif en vrai. Ils vont prendre tarif les médiums en fin de course. Je sais pas si je pars en médium du coup. Je pense que tout le monde va partir en pneu tendre en vrai, donc ouais, pour Charles Latifi aussi. Alonso aussi, donc intéressant. 30k sur nom, bah alors celui-là. Nantes, c'est en Bretagne. Alors, Imo, non. Surtout pas, mais d'après certaines personnes, si, on ne pira pas les blazes. Victor en sueur, les Bretons en sueur, les Nantais en sueur. Aïe. On veut pas deux. Waouh! Comment ça, mon ref? On veut pas deux. Qu'est-ce que tu sous-entends? Comment ça, on veut pas deux? Ils veulent pas de nous. Moi, je crois que c'est réciproque de toute façon. Donc.
rain expected. No rain expected for the time being. Non, t'es en Vendée, comment ça? Non, t'es en Vendée, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Si tu fais top 4, la daronne, elle est à l'abri, je vais essayer. Je vais essayer, frérot. Nantes n'est plus à rattacher la Bretagne à la suite d'une décision du régime de Vichy. In fact, ça devrait être... Aïe, Nieuwborg. Nieuwborg qui speak some facts. Aïe. Donc Nantes devrait être en Bretagne. Devrait. Bon, il va nous falloir un bon départ là. Il va nous falloir un giga bon départ. Oh bah alors Victor. Bah Victor, t'es aigri. Let's go. Let's go. Tu supportes Santé? Pas du tout. C'est un défi. On rappelle que je suis pour l'UMDR. Imagine une interview de Febro par Jerem Star. Ouais, ce serait très drôle. Ouais, ce serait très très drôle. Dis-moi mon lapin, toi, le virage 1. Oh mon dieu, il fait quoi Jerem Star maintenant? Nope. Wow, le taquet qu'il a pris. Ok. Oh, les McLaren ont fait un bête de start. Oh, j'ai fait mieux. Non, non. Pourquoi? Putain, non, my bad. Alors, mon juge hurle. Ouais, de fou, je tiendrai le jeu. Je tiendrai le jeu après le live. On voit tout ça. But de Madrid, dit troll, ce bâtard. No way. No way. Let's go, Lulu. Oh, attention, si ça me troll, hein. Je pète un câble, hein. Oh, si ça me troll. Jure, Lulu. Oh, le boulot incroyable. Merci, Tancho, pour le resub. Oh. Rodrigo. Oh, Rodrigo. Oh, comment se faire 50 balles sans rien demander? Merci, Lulu. Il a dribblé 3 joueurs. Lucas, je te suce. Let's go. Incroyable, wesh. Mais wesh, franchement bien, wesh. Rien à dire. Exceptionnel. Après, hein, Lucas, il est arrivé tout à l'heure. Oh, allez, on casse là. Lucas, il a pop, il a fait Hydro, fais-moi confiance, mets 50€ sur le Real qui marque un but. Moi, j'ai dit, bah vas-y, du coup, j'ai mis 50€ sur le Real. Bah, il avait raison. Il avait raison, le frérot. Merci pour les 50 balles, Lulu, ça régale. Tout le monde est en pneu de tente devant, par contre. Personne en médium, c'était mauvais call, les médiums. Incroyable, wesh. Vraiment. C'est quoi le meilleur endroit à Paris pour toi? Moi, je vais jamais à Paname. Ah, Swim, je te suis à Paname. Hein. Moi, je connais pas Paname. Je suis pas de Paris, moi. Ouais, bon, par contre, c'est pas Benzema pour Lulu, le pauvre. Il y a eu un pari sur deux, mais... Vas-y, hein. Ça part, mon petit Swim. Le fond plat est en train de me ruiner en vrai. Le fond plat est en train de me ruiner en vrai là. Je suis mort vraiment là. Toute la modération qui va gagner des sous grâce à Lucas, incroyable. Exceptionnel. Non, il est hideux mon maillot. Ne me dites pas que j'ai un beau maillot, ne me mentez pas. Hop là. Ah, le boulot de Lulu est exceptionnel.
Ah bordel. Envoyez vos tickets sur Twitter ou Discord, j'avoue. J'avoue, se comparer sur le réel est con marqué, mentionner Lulu. Je crois que t'as pris trop de carburant. Oh putain, oui, j'avais pas vu. Oh la vache. À moins que ça consomme beaucoup à Silverstone, mais je crois pas. De mémoire, ça consomme pas tant que ça, donc... Un truc, c'est qu'on a tous le DRS sur l'Alpine, donc... un peu galère, quoi. Oh, le FC, non, quel dommage. Ça vaut pas le call. Oui, j'avoue que le call à la Coupe du Monde était exceptionnel. J'arrive pas à me rapprocher, en fait. J'arrive pas à me rapprocher. La McLaren a été nerf. Non, ils ont juste raté leur qualif. Parce que là, ils sont rapides. Juste, ils arrivent pas à doubler les voitures. Et c'est Verstappen qui en profite, là. J'aimerais bien me rapprocher, là, moi aussi, là. Très très bon joueur, Noah. Oh, je suis trop loin, putain! La voiture, elle est trop lourde. J'ai tellement d'essence. C'est abusé en vrai là. C'est abusé, wesh. J'ai bientôt plus le DRS. Hein. J'ai bientôt plus le DRS, hein, vraiment. Hein. Oh, oh, c'est risqué. Oh la vache. Come on. Come on, come on, come on. J'avais pas vu pour l'essence, my bad. C'est ma faute. Non. Ah mais c'est pas fini du coup le match là. C'est la combientième là. On te voit au margeur de... Mais frère, j'ai pas de place. J'ai pas pris de place ou quoi, donc à moins que je gratte chez quelqu'un, mais malheureusement je pense que non. À moins qu'on m'enfile une, hein. Clin d'œil. Mais 85ème, ok. Putain, mais la voiture elle tombe plus. C'est abusé. Clin d'œil, clin d'œil. T'es influenceur, gratte. J'aimerais bien, mais... Oh. Je vais exploser les lents, wesh. Je suis pas influenceur CSGO, hein. Je passe par contre, il va me gêner dans le virage 1. Il va me gêner dans le virage 1. Il va tirer tout droit. C'est bon. Mais ouais, j'aurais bien kiffé aller au Major à Paris. Là, ça va être incroyable. Ça va être dingo. Dingo, dingo. Oui. Après, si tu te mettais à streamer nos games. Ouais, les games d'hier soir. Les games où on s'est fait tabasser hier soir sur Cash et... Je sais plus quelle map là. J'avoue, un petit test une fois de temps en temps. En vrai, je pourrais, mais il faudrait qu'on soit 5 et tout.
pourrais essayer, hein, mais... tu vois de quoi je parle? En vrai, un petit CSG. Oh, j'ai cru que c'était devant, putain, dommage. Non, mais tranquille, je vais voir. Je vais me renseigner, voir si on peut avoir des places ou pas. On a gagné la D2, je te rappelle. Ouais, grâce à ton log, c'est ça? Grâce à log que t'as piqué. Oui. Piqué, là, on a le drapeau jaune. C'est bon, c'est petit tard à un moment aussi, là. Merci, Squeaks, pour le frame. Le DNF Alonso. Après, il y avoir une safety car là parce que mes pneus. les pneus morts plus le fond plat cassé à un moment, c'est compliqué là. Je sais pas de quoi tu parles, Chris. Putain. Je vais me faire doubler. Hein. Spoiler, je me fais doubler. Hein. Oh, ça va, dose aussi là, t'as c'est comme ça toi. Il est fou lui. Ah, c'est ce qu'il est pour la resub. C'est beaucoup frérot pour le 11e mois. On attend le stream Euro Truck Simulator. T'inquiète. Y'a plein de choses qu'on attend, y'a plein de choses. Enfin, on prononce bien mon pseudo, t'inquiète mon ref. Oh, Sainz a un problème derrière. Bon, les deux Ferrari qui tombent en panne. La pub révolte avec la tête d'Aravage, j'en peux plus. Oh frère, sur Twitter, on n'en peut plus. Il est tout le temps là. McLaren sont trop rapides. C'est abusé, hein, vraiment. C'est cheat, hein. Je boxe. On va pas perdre de temps, je boxe. Bon, je pense que l'undercut passera pas dans tous les cas, mais... Go box. Pas cool. En vrai, pas cool. Let's go. Bonne nuit, Abiking. Ciao. La voiture est inconduisible. Trop chiant. Oh, pfff. Bon alors là. Je tape mon meilleur flashback pour ça, vraiment. Hein. Oh, le fond plat qui est passé jaune d'un coup. Allez, hop, hein. Je pensais pas le dire, mais Fruit c'est pas mal en fait. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Quoi? Mon rêve, qu'est-ce que tu sous-entends? T'aimes bien manger des fruits, c'est-à-dire? Oh, moi je boxe. Hein. J'ai plus de pneus. Hein. Ok, on va mettre des médiums. Let's go. Comment ça, mon rêve? Qu'est-ce que. Nyoborg, la roue libre un peu là, mon. Plutôt pastèque ou pêche? Aïe, il reste des golds à 350 si jamais. Faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille check. La main dans le phaser de fond. Poussez-vous là, les mécanos. Oh, allez. Oh. Non. Reste derrière. Reste dans ta zone. Ok. Il va pas me lâcher, hein. Laisse-moi tranquille. Oh, laisse-moi tranquille. C'est bon aussi, on est fatigué. J'espère qu'il a cassé son aileron. Oh, il a cassé son aileron. Allez hop, chat.
Mérité. Ça dégage. Non, mais il n'y a pas de assassin. Vous avez vu, il me saoule. Il est là, il essaie de me mettre dehors. Oh, teammate in the pits. Mais ça tourne pas avec le fond plat cassé, c'est trop dur. Je suis sur le truc où tu cherches des amis. Oui, bien sûr. Bien évidemment, Mioborg, tu cherches des amis. Bah t'as Jordan à Orléans. Déjà pas mal, non? La Tiffy va ressortir devant moi, c'est une blague ou... Non, c'est bon, elle ressort derrière, mais pas grand chose. Ok, vamos. Vamos, vamos. Pourquoi là, t'as pris la Tiffy en coéquipier? Oh là, longue histoire. En fait, ma vie se résume à des sub-goals, en fait. À chaque fois, vous vous dites, mais pourquoi il a fait ça, en fait, sub-goal? Pourquoi il porte un maillot de Saint-Etienne depuis une semaine, sub-goal? Pourquoi il a pris la Tiffy en sub-goal? Cherchez pas. Des amis avec un bon coup de poignet. Mais ça va, mon ref? Ça va, Chacal? À l'aise? Tranquille, T'es bien, là, dans le chat, ou... C'est bizarre un peu mon ref, non? T'es pas à Orléans, mais Mioborg, mais... Comment ça t'es pas... Ah, t'as changé. Pourquoi il habite à Limoges? Sub goal. 750 subs, on l'avait dit, on déménageait. J'ai déménagé à cause du sub goal, hein, vraiment. Ils vont le rappeler, hein. Il y en a qui le savent peut-être pas, mais c'était un sub goal, le déménagement. Exceptionnel, hein. Je suis en Bretagne. Putain, mais oui, il est de Bretagne. Je suis débile, il est pour l'Orient. C'est qui était de... Mais putain, mais j'ai une mémoire de poisson rouge ce soir. Mais oui, c'est... Nivek, c'était toi? Non, c'était qui était à... Non, Nivek, il est à Clermont. Ah ouais, non, Nivek, il est pas du tout à Clermont, du coup. Oh là 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 là. Oh là 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 là, je suis fatigué aujourd'hui. Mon cerveau, il suit pas. Hein. Non, mon cerveau, il suit pas. Clermont, c'est Natinho. Oh là 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 là. Vous êtes nouveaux. Hey, y a les nouveaux. Les nouveaux modos, j'ai du mal. Les nouveaux, j'ai du mal, les gars. Et on n'a pas dormi cette nuit. On est fatigué. On n'a pas dormi. On n'en peut plus. Bonne nuit, Kylian. Comment ça, je suis nouveau? Non, mais non, pas toi. Mais toi, t'es pas nouveau, Nivek. Mais non, pas toi. Ouais, c'est bon. Hey, moi, je parle plus. Moi, je parle plus. C'est fini. Dory Tabas, quoi? Comment ça, Dory Tabas? Mais attends, il lui arrive quoi, Nemo, là? Pourquoi on parle de Nemo dans le chat? Dory tabasse en mémoire ce soir. Ah oui, oui, pas probable. Hein. Là, vraiment, ma tête, elle est loin. Oh, je dive. Trop long. Bon, aïe. Oh, mamma mia. P12, mais ils ont pas box les McLaren ou... Ah si, elles ont box. Oh, on l'avance qu'elles ont. Oh, l'avance qu'elles ont, les McLaren, c'est effrayant. C'est effrayant, par contre. Tour 18, DNF, n'oubliez pas. Mais je vais péter mon crâne, comment ça, mon ref? 17, t'as une casse moteur? Vas-y, hein, je prends. Vas-y, hein. Prolongation pour le match. C'est quoi, en fait, comme match, le derby, là? Genre une demi-finale ou... Pourquoi t'es P13 sub goal? Ah, c'est les quarts. Ok. Coupe du roi. Ouais. C'est la coupe du roi. Ok. Je vais péter mon crâne, Schwartzman, à quoi tu joues?
Mais Robert, mais Roberto, Roberto frère, à un moment, moins 2, non mais attends, mais on a, mais oui, bon, avec la moins 2. Reste dans ta zone, Robert, un peu là, genre. Hein. P8, il y en a plein qui sont pas arrêtés, je pense. Il y en a encore 3-4 qui sont pas arrêtés. Wow, 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 la voiture. On se calme un peu. Se calme un peu. Il a touché, hein, Chacal, 100%. Hein. 100%, non, non, il m'a poussé, les gars. Hein. Je vous assure qu'il m'a sorti, hein. Non, le FCW on est bien, hein. Écoutez pas le chat. Hein. Le FCW on est très bien. Le moins 2 c'est les flashbacks utilisés. Le FCW on est très très bien. Hein. Ça va pas box devant encore. Hein. Vraiment on est quatrième. Hein. Joyeux anniversaire, wesh, tu supportes Charles Leclerc. Nanana, tu vas vivre un enfer. Putain, je retiens jamais les paroles, faut que je la réécoute à chaque fois pour me souvenir. Ah oui, champion du monde, t'espères, tu vas vivre un enfer, c'est ça. On attend l'album, hein, Arsène. Hein. On attend l'album quand tu veux. Hein. Yo, hello à ceux qui arrivent. Ok, c'est un box. P4, P4. Ok, comme prévu, P4, le FC, oui, je vous l'avais dit. Juste Latifi maintenant qui peut me casser les bonbons. Juste si Latifi revient, ça va me casser les bonbons. Tu me fais confiance? Ouais. Un peu peur de ce qu'il va me dire, mais... Ouais, je vais sauver les pneus bien, Benzo. Benzema, prochain buteur. Bizarre, mais là, la confiance est bof. Il y a un truc. Je sais pas. En plus, je suis en pleine course. Genre là, je peux pas poser mon téléphone. Je peux pas prendre mon téléphone. Déjà, on est passé de 50 euros à 10 euros déjà. Ouais, tu vois que l'indice de confiance, c'est bizarre, tu vois. Mais... Oh là là, je viens de dire quoi? T'es né le même jour que l'anniv de ma meuf? Le tien m'a rappelé que c'était le sien aussi. Je suis honoré que ce soit le mien qui t'ait rappelé le sien et pas l'inverse. Bah écoute, hein. Joyeux anniversaire, mais en retard du coup. Hop, 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 la trage. C'est qui est premier Verstappen? Je reviendrai pas sur les McLaren. Continue à prendre de l'avance, c'est trop McLaren, c'est trop. C'est trop, frère, vraiment. Ouais, non, on va aller au bout, c'est clair. Par contre, pourquoi Leclerc, il est en hard, il est parti avec quoi comme pneu? Focus. Non mais je suis focus les gars, on est tranquille là. Oh, drapeau jaune. Yellow flag, un petit yellow flag dans le secteur 1. Bon, en vrai une safety car je signe. Hein. Bon, en vrai une safety car je signe. Hein. Allez, petite safety car. Petite safety car en vrai là. Come on. Ça méritait une petite safety car en vrai. Il peut y avoir un autre drapeau jaune là. Please. Please, 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 please. Ouais, je me gratte la cheville, vous êtes bien renseigné, ouais. Je perds un petit peu de temps, je me demande s'il n'y a pas eu un contact. Je me demande si Théo a pas cassé son aileron ou un truc comme ça en vrai. C'est possible. Ouais.
revient plus tellement pour l'instant là. Ça va être long, hein, 10 tours. Vraiment, on va passer vraiment 25 minutes. Non, pardon, 15 minutes. Ah bah c'est 15 minutes tout seul comme ça. Hein. Vas-y, il faut une petite safety car. Regardez l'avance de Verstappen, c'est trop. Vraiment pas fun. Pas fun les performances. Ouais, j'ai rebout avec les médiums. Large. Large en vrai. Verstappen, la balade. Bizarre. Il a pas box. Si, si, Verstappen, il a box, les gars. Si, 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 si. Max, il a box. Donc, ouais. On va attendre la safety car. Il y a du vent. Ouais, il y a un peu de vent à l'arrière en sortant de chapelle. Ça complique un petit peu la traction, tu vois, sur la sortie du virage. Mais tranquille. Tranquille, tranquille. Non, la Tiffy m'a repris une seconde parce que je me suis sorti Tristan. Putain, il me l'a mis dans la tête, chacal, je le déteste. Par contre, j'ai pas perdu de temps malgré mon erreur sur Pourchaire. Ça, c'est surprenant. Ouais, que je push. En fait, j'utilise pas assez de RS en fait. Deux secondes tête, ok, on revient à Mamos. Je te mets Choupi en tête si tu veux. Vas-y. Au pays de Choupi, on rigole bien. Ah, nanana, 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 attention. Nanana, frein. Nanana, nanana. Choupi, en vrai, c'est chill. Vrai débat, Choupi ou oui, oui. Elle est pas facile là, on sait que Choupi ça a été un grand joueur quand on était petit, mais Choupi bah, mon bœuf. Bizarre mon bœuf. Au pays de Choupi, on rigole bien. Avec la loutre doudou et les copains, attention, attention, ça commence. Ce matin, il fait beau, venez chanter ce refrain. Oh la 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 la. La 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 la. Bref, en vrai, Choupi, oui oui. Oui oui, explose Choupi quand tu veux. Oui oui, tabasse Choupi. Je le dis haut et fort. Vraiment. Oui oui, dessin animé incroyable. Dessin animé exceptionnel. Les gens qui préfèrent Choupi sont racistes. Je le dis haut et fort. Vraiment, hein. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Avec mon gros zizi. Non, merde, ça, c'était autre chose. Mais, Oh, bah, oui, oui, incroyable, le dessin animé, c'est trop bien. Bon, tu sais, c'est le truc chacal que tu m'as montré, là, sur la télé, en début de semaine. Ah, c'est moi. Comment... Vas-y, je reviens pas sur Porcher, là. Enfin, si, je reviens, mais pas assez vite. Ça va les gars? Ça va le chat? Nerf Shackle, t'as oublié ton truc là, je sais pas c'est quoi là, ta sorte de tube en plastique rose là, je sais pas c'est quoi ton gros machin là. Tu l'as laissé traîner dans le canapé. Ouais, tu viens de le récupérer. Ouais, je sais pas. Chacun, t'as peut-être oublié un truc, mais c'est pas grave, on te l'enverra. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que j'ai toujours pas de casse moteur, mais Chacun, il est venu armé à Limoges. Oh, l'âne trop trop, oh, l'âne trop trop, par contre, surcoté, hein. L'âne trop trop,
L'âne trop, je suis désolé, mais dessin animé surcoté à la mort. Hein. C'était à chier. Hein. Non, regarde le chacal, t'inquiète. L'âne trop, c'était à chier. Quel était, alors attends, quel était le meilleur dessin animé vraiment quand on était enfant? Venez pas me dire des... donnez-moi des trucs vraiment enfants, pas quand vous aviez genre 12-13 ans, tu vois. Enfin, vraiment, tard l'époque. Olive et Tom, c'est vrai que c'était incroyable. Olive et Tom, c'est vrai que bordel de merde les émotions, hein. Oh là là, foot de rue. Ouais, mais foot de rue, on était un peu plus grand, tu vois. Franklin, les émotions. Dora l'Exploratrice. Unpopular opinion, non, mais Dora l'Exploratrice, en vrai, c'était bien. C'était incroyable, hein. Quand tu tombais sur ça en zappant, c'était exceptionnel, hein. Code Lyoko, mais oui. Code Lyoko, pareil, on était plus grand. Titeuf, voilà, oh là, Titeuf aussi, hein, c'est vrai que... Et Oggy et les cafards, le générique de Oggy et les cafards. Oh là là. Frère, quel dessin animé de débile, mais c'était trop bien, hein. Vraiment. J'ai jamais regardé Oggy. Ah ouais, incroyable. Les rats. Eh ben, spoiler, les rats, je regardais pas tant que ça, moi. Je regardais, hein, mais pas beaucoup, j'étais pas giga fan. Ah, les zinzins de l'espace aussi, mais... T'as save la vidéo avec l'enceinte? Bah bien sûr, mon ref. Tu sais, l'enceinte où genre t'es parti aux toilettes pendant 10 minutes, t'as oublié de te déconnecter de l'enceinte. On la mettra pas en live, hein, tu te doutes bien, mais... Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits, c'est une religion, hein. Bonne nuit les petits, attention, hein. Bonne nuit les petits, je vous jure que je pourrais regarder ça encore aujourd'hui, hein. C'est trop bien. C'est incroyable. J'aime trop ça, hein, vraiment. Qu'est-ce qui se passe là, les refs? Pourquoi il y a des points d'interrogation là? Bonne nuit les petits crétins. Avec Nicolas et Pimpernel, je sais plus comment elle s'appelait. Il y avait Oscar et Nounours. Eh, la famille. Moi c'était ma famille. C'était ma belle famille, hein. Le rouge pour l'Atletico, c'est le moment. Oscar, voilà Oscar, gare. Pute. Fils de pute. Oui, tonton. Ah, les rois, non, franchement, les rois, hein. Que dire. Oscar, quel... Vraiment, quelle idole. Oscar, il a formé ma jeunesse. Rien à dire, hein. Merci, Raze. Ça va ou quoi? C'est beaucoup pour le resub. Père Castor, oui. Père Castor, c'est un... Un poil plus vieux que moi, je pense, mais... Père Castor aussi, bien sûr. Père Castor, raconte-moi l'histoire. Mais ça, c'est la génération genre 5 ans avant moi, je pense. Quoique, en vrai, non, on l'avait. Petit ours brun, bien sûr. Non, y a pas de problème, j'ai cru au début. Shuriken School. Ouais, voilà, Shuriken School, tu vois. Toi, t'es le mec qui venait à l'école avec sa capuche. T'es le mec qui parlait tout seul dans ta barbe au fond de la classe. Dis Shuriken School, d'où tu sors? C'est quoi, c'est encore Nickelodeon, Canal J, enfin... Sois normal, mec. Sois normal, arrête de sourire. Aime des dessins animés normaux. T'as 50 ans, toi, mais qu'est-ce que tu me racontes, gros fils de pute? Pardon, il était peut-être un peu gratuit, le deuxième, mais... Frère... Alors, Nickelodeon et Canal J, c'était incroyable, y a pas de souci, mais qui... C'est... Pourquoi, là, au milieu d'un oui-oui, bonne nuit les petits, foot de rue, tout ça, l'autre, il est mieux avec son shuriken soccer, là, ou je sais pas quoi, là. Oust, mec. Yu-Gi-Oh, ouais, mais Yu-Gi-Oh, après, c'était quand on était un poil adolescent, tu vois. Avance, tu fais revenir la Tifi, gros bâtard. Scooby-Doo. Oh, Scooby-Doo, incroyable aussi, hein. Scooby-Doo, exceptionnel, en vrai, hein. Rien à dire, hein. Avance, wesh. C'est trop. Marcelino. Ah ouais, la fin de Marcelino, fallait s'accrocher, hein. Quand t'es gamin et que tu vois la fin de Marcelino, faut s'accrocher, hein. Allez, podium. Hop. Hop, podium. Ouh, petit blocage. Tom et Jerry. J'ai une rêve de zinzin, vas-y.
T'as connu Cartoon Network? Ouais, ouais, ouais. Je me dis, t'as connu en mode j'avais 55 ans, frère. Dexter le petit génie, j'ai jamais aimé, c'est bon. J'ai jamais aimé Dexter le petit génie en vrai. Moi, le seul Dexter qu'il y avait, c'était le psychopathe qui tuait des gens. Jimmy Neutron, oh là 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 là, oui, oui. Oui, Lucas, oui, bien sûr. Jimmy Neutron, incroyable. Avec son gros crâne là. C'était exceptionnel. But de Benzema, mais non, vous trollez. Trop le seum. Oh, but de Benzema, no way. Putain, j'aurais dû faire pause. J'aurais dû te croire. Je vous baise tous. Incroyable, t'avais mis combien? J'avais mis 2€. Bien réussi. J'avais plus rien. Bien réussi, bien réussi. Ah, le boss. Let's go, Karim. Ah, Lucas, vraiment. Ah, Lucas. Oh, Madame Irma, c'est lui. Exceptionnel. Ah bordel. Allez où c'est l'Atletico? Au goulag. Ça dégage. Le pays de Chupi. On rigole bien. Nanana, nanana, nanana. Aïe, aïe, aïe. Le Marsupilami bien sûr aussi hein. Alors Marsupilami première génération hein. Parce qu'après ça avait été refait et tout, ça puait la merde je crois. Imaginez la team ça, non je rigole. Imaginez quand même. Je vais être short, non les pneus vont tenir mais bon pas ouf quand même. Pas ouf, pas ouf, pas ouf en vrai là. Non mais Verstappen l'avance qu'il a, à un moment faut. À un moment faut m'expliquer là, je comprends pas. Vraiment l'avance de Verstappen, c'est exceptionnel hein. Wow. Aïe aïe aïe, si on parlait de DBZ tout ça. Oh oui, je viens de voir Amtaro aussi. Amtaro. Oh là 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 là, les souvenirs. Les souvenirs, vraiment. Merci Hunter, merci beaucoup pour le resub. Il va mettre 30 secondes d'avance pour Verstappen, c'est effrayant. Effrayant, merci Jan Woj, merci pour le prime. Oh, Amtaro, le générique de Amtaro. Le générique de Zanzan, ouais, quand tu penses, hein. Exceptionnel. Hein. En vrai, on a quand même eu de la chance, nous. On a grandi avec des bêtes de dessins animés, hein, ouais. Je sais pas, aujourd'hui, il y a quoi qui passe à la télé en dessin animé, tu vois. Mais nous, on a vraiment grandi avec des dessins animés de fou, quand tu penses. C'était exceptionnel, hein. Oh, Power Rangers, c'était surcoté de fou. Power Rangers, c'était surcoté de fou, en vrai. Oui, 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 oui. Merci Colibri pour le... Nick Dora, bon, bizarre, moi. C'est pour le 7ème mois. Aïe, aïe, aïe. Non, je peux enlever les casse motards, hein. C'est juste qu'on a développé la fiabilité au maximum, donc... Non, Power Rangers, c'était surcoté de fou. Allez, dernier tour de cette course longue et ennuyante. Mon dieu, elle a été dure hein, cette soirée, elle a été très dure. Hein. Il va pas me faire chier la Tipeee dans le dernier tour quand même. Il va quand même pas me faire chier le petit Latifi là. Attendez, hein.
va perdre un podium au profit de Latifi non plus. On va se calmer. What, meilleur tour, mais c'est une blague. Une blague la Red Bull sur cette course, sérieusement. Yo, hello, what's up, Kev? Mais. Rien à la foutre. Juste une position. Hop là. Il est malade, lui. Il est fou. Mais il est fou, lui. Il reste dans ta zone. C'est un malade, mais... Assassin, mais bien évidemment. Assassin, bien sûr. Frère, c'est moi qui paye son salaire. Je suis le patron de l'équipe. Bien sûr que je l'assassine. Tous les jours. Tous les jours. C'est mon podium. Je suis là à pas défendre et tout, à pas le sortir. Non, Red Bull, par contre, aussi, c'est pareil. Red Bull, à un moment, trop, c'est trop. Trop, c'est trop, frère. Ah, c'était une question de dignité, j'allais pas finir derrière Latifi, hein. Bon, on est où, là? Non, mais Nicolas méritait. J'ai pas défendu, je l'ai pas sorti et tout, mais j'aurais pu le sortir 100 fois. Putain, on prend 0 points, en vrai, sur McLaren aujourd'hui, hein. Là, c'est catastrophique ce soir, on a pris aucun point sur McLaren, hein. C'est terrible, hein. Oh, la famille pirate aussi. Oh, ça date, hein. Ça date de fou. Bon. Et bah c'était pas glorieux hein. Le FC oui au moins vous régalez. Le FC oui. Oh là là, 31 secondes. Quel serait pour vous le meilleur candidat? 71 points. Ils sont plusieurs à Oh là là. À quand une tier list dessin animé? En vrai ça pourrait être très drôle. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Ça pourrait être très très drôle. Chute au classement après le résultat de la concurrence ce week-end. Ouais. Après une course comme celle-ci, sérieux. Qui va remporter le championnat? Alors soyons 153 points. Mais à un moment l'écart, bah ouais, c'est loose. Mais c'est trop chiant. En vrai, c'est chiant. Hein. En vrai, c'est relou qu'il y ait ce bug. Là, on est sur une Mercedes 2015-2014. J'ai l'impression d'être Vettel en 2015 avec mes deux petites victoires là. Ah ouais, mais t'enlèves, par contre, t'enlèves McLaren, le championnat, il est incroyable hein. On est potentiellement 4, du coup 5 même. On est 5 en moins d'une victoire quasiment, donc ouais, le championnat il serait fou si on est McLaren. Mais bon, c'est le jeu, c'est Codemasters hein. Qu'est-ce que je vous dise? Bah parce qu'en fait pour les nerfs c'est galère, faut que je les mode sur chaque circuit et tout, faut régler chaque fichier, le moteur, le châssis et tout. Ah c'est bon, c'est trop relou. Ça se trouve en plus il y a des week-ends où genre tu vois ils vont pas perf, il y a des week-ends où naturellement ils vont pas être dans le rythme, du coup je vais les enfoncer encore plus, enfin... C'est un peu galère. T'as vu les TikTok sur les moteurs que je t'envoie l'année dernière? Non. J'ai pas regardé mes TikTok. Je regarde pas mes TikTok, lui. Je regarde devant, ouais. Codemasters qui connaît. Non, mais Codemasters, il nous casse un peu les bonbons des fois. Mais bon, c'est le jeu. J'irai voir après, Lulu. J'irai voir après, t'inquiète. Ça fait longtemps des billes. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait des courses de billes. Bah, c'est l'année dernière. C'était du live pour l'association. Vas-y, Mioborg, bonne soirée. A plus, vas-y, va mener, va planter tes fruits, t'inquiète mon ref. T'inquiète BG, bonne nuit à ceux qui vont dormir. De toute façon, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Je pense qu'on fera peut-être du My Team ce week-end, samedi. Spielberg France. Il y a un monde où on fait du My Team pendant les 12 heures, je pense, en vrai. C'est sûr. Non, je joue plus avec les gants, hein. Ça fait longtemps. Oh, la saison, elle est catastrophique. Hein. La saison, elle est catastrophique. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Bah ouais, mais Lulu, on va pas faire les défis pendant 12 heures. Les défis, je pense, c'est plié en 5-6 heures, en vrai, à peu près. Je dirais un truc comme ça. Donc, à voir. Il y a un monde où tu casses le moteur au GP de France. T'imagines, je casse le moteur au GP de France alors que j'ai pas eu, si je crois, Imola. J'ai eu... Non, même pas. J'ai pas eu de casse-moteur depuis le début. Merci, Boris, pour le sub offert. Merci beaucoup, frérot. Mais je crois que j'ai quasiment pas eu de casse-moteur. Bonne nuit. Bonne nuit, c'est qui vont dodo. On va s'arrêter là-dessus de toute façon. J'avoue que je suis éclaté. J'avoue que je suis bien fatigué aussi. Donc je pense que ça va aller rompiche en balle. En balle.